si t'es rendu au régional, puis provincial, puis tu blastes une cruise, puis t'es encore dans ta vingtaine, fuck, man. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je suis super content d'avoir des merveilleux gens autour de moi qui ont toutes des expertises sensiblement dans le même domaine, mais des expériences différentes, des expériences un peu différentes. Fait que je suis super content de faire cette discussion-là avec vous tous. Donc, on va parler principalement de préparation de compétition fitness. Et on va faire un tour, juste vous présenter qui vous êtes, votre background. Dans le fond, vous avez tous été déjà sur le podcast. Fait que si les gens veulent en savoir un peu plus sur chaque personne, il y a déjà des podcasts qui ont été faits. Mais on peut commencer avec Simon. Moi je m'appelle Simon Ducharme, j'ai 25 ans. Je compétitionne IFBB Pro. Pour l'instant, dans le fond, je vais faire ma première compétition IFBB Pro au courant de l'année 2020. Puis c'est ça. Culturiste. Julien Geoffrion, j'ai 32 ans. Pour le début, ça va être en classique physique. Un petit peu plus que 5 ans que je coach. J'ai commencé à compétitionner également en 2012. Fait que j'ai commencé à compétitionner avant d'avoir commencé à coacher en bodybuilding. Je coach depuis ce temps-là pour autant remise en forme, transformation, compétition. C'est pas mal ça. Mais Mathieu Bouchard, naturopathe, donc le président de l'Institut AAT. Je coach dans le domaine depuis plus de 10 ans. Je coach plus de bodybuilder maintenant, mais je donne des formations sur les suppléments et les produits exogènes. Donc, ça va être mon expertise aujourd'hui. Larry Vinette, je suis coach depuis maintenant 28 ans. Je suis FBB Pro, je prends mon premier concours en 1994. Gagné un championnat mondial en bodybuilding naturel en 2005, tourné pro IFBB en 2012, puis je continue à entraîner du monde, monsieur, madame, tout le monde, et des athlètes de toutes disciplines. Cool, fait que je suis vraiment content parce que je voulais avoir un genre de mix entre le jeune prodige à l'expérience, à plus la science derrière, puis Jules qui est comme une de trench depuis des années, fait que c'est cool d'avoir ça. Fait que je voulais qu'on parle, c'est quoi les plus grosses erreurs que vous voyez en préparation de compé, que ce soit pour vous ou vos clients? Là, ça peut être comme free for all. Souvent, ça va être décider de faire un concours, puis le concours qui est comme le mois prochain. Fait que pas se donner assez de temps. Souvent, le monde, ils rentrent dans, ils n'ont jamais fait un concours, puis ils veulent faire un concours. Mais ils sont jamais entraînés, puis ils veulent faire un concours. Tu sais, pour comme l'année prochaine. Quand que dans le temps, on attendait peut-être une couple d'années, même jusqu'à 5 ans, avant de bâtir une base. Pour avoir quelque chose à monter sur un stage, parce que on ne peut pas sculpter un caillou. Il faut être quelque chose en partant. Donc, c'est rusher trop vite à vouloir faire un concours, pas prendre le temps d'apprendre la base. Et puis, écoute, ça n'est un. Je sais qu'on a trouvé un million là, de choses pas correctes, mais souvent, c'est ça. C'est pas prendre le temps d'avoir un bon off-season pour travailler tes faiblesses. Parce que le dernier 3-4 mois d'un concours, on s'entend, on fait juste découper, là. On dégraisse, c'est plus le temps d'améliorer, c'est plus le temps de dire « OK, on va travailler ton cap d'épaule ». Non, ça, c'est dans l'off-season. Si tu n'en as pas d'off-season, oublie ça. Tu n'amélioreras pas d'une année à l'autre. Fait que le monde qui essaie de rester cut à l'année puis en bas de 10% à l'année, mais ça donne que ça donne. C'est que ça fait des athlètes que année en année, ils ne progressent pas beaucoup. Fait qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour cutter, il y a un temps pour vraiment améliorer ton physique puis jouer ses proportions. T'sais, on n'est pas des sculpteurs avec de la glaise. Là. Nous, on veut bâtir un muscle. Il faut que tu l'entraînes, ce muscle-là. Il faut que tu donnes un surplus de calories pour donner le matériel nécessaire à bâtir ce muscle-là. Puis, Rome wasn't built in a day. Là. On ne bâtit pas un physique en un an puis on te prête sur le stage. Des fois, ça se peut que tu aies une super bonne génétique puis ça aille super vite, mais la majorité du monde, prenez une couple d'années avant de même considérer faire un concours. Là. À moins que ce soit men's physique, puis tu as déjà le physique pour ça, mais écoute, tu as juste besoin d'aller au magasin, t'acheter une paire de board shorts, puis tu es prête, là, mais... c'est du bodybuilding, du classique physique, tu as besoin d'un petit peu plus, tu sais. Mais tu sais, on voit un peu, puis on en parlait dans l'auto, moi puis Larry, en s'en venant, le over-reliance sur les suppléments puis les substances pour être en shape. Tu sais, je pense que c'est l'autre erreur. Ça rentre dans le bureau, ça ne sait pas quoi déjeuner, mais ça sait déjà qu'il faut que ça prenne de la test, puis peut-être un fat burner, puis peut-être plein d'autres suppléments. Mais pour déjeuner, il prend de la protéine en poudre dans du gruau. Tu sais, c'est comme... Il y a des choses que tu n'as peut-être pas compris dans le concept. Là. Mais c'est ça, je pense que c'est une des erreurs que moi, je voyais, puis qui existe encore énormément. Là. Mais je pense que celle-là, c'est une des pires. Bien, ça va un peu avec ce que vous dites, les deux, en fait.
Moi, je pense que c'est que le monde pense que ça va être trop facile de faire des compétitions. Tu sais, justement, comme Larry disait au début, il arrive, ça fait même pas un an qu'il s'entraîne, puis c'est « Hey, let's go, je veux faire une compétition », il se donne pas assez de temps, peu importe. Pourquoi ils se disent que ça va être trop facile? Selon moi, c'est à cause des réseaux sociaux, Instagram, toute l'équipe, beaucoup. Parce que les réseaux sociaux donnent l'impression que c'est beaucoup plus accessible de faire des compétitions. Puis après ça, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu vois une personne qui a « Hey, j'ai fait ça, puis ça m'a pris 2 mois et demi ma transformation, puis j'ai gagné ma classe. » Puis là, tu te dis « Ben, Chris, ça pourrait être moi. » Fait que l'espèce de fausse impression que ça va être facile. Puis ça va être facile parce que j'ai juste à prendre tel supplément, comme Mathieu disait. Fait que c'est un peu ça, c'est que le monde, surtout quand ils n'ont jamais fait de compétition, tu sais, quand t'en as fait une, tu sais que tu vas avoir plus de challenge, je te dirais, mais première compétition, là, tout le monde se dit « Ah, ça va être facile, moi, je vais pas tricher, je vais pas avoir de misère à suivre mon plan, puis je vais progresser en fou, puis vous l'avez sûrement tous déjà entendu. Ah, moi, mon corps, il répond vraiment vite, là. T'sais. ouais, c'est ça, tu sais. Fait que tout le monde dans leur tête, c'est le one in a million, mais c'est pas ça la réalité. Fait que le monde sont juste pas capables souvent de réaliser à quel point ça va être difficile si tu veux être performant. Tu sais, je veux dire, si tu veux être sur le coin à droite du deuxième, troisième call-out, parfait, là. Mais pour moi, faire une compétition, c'est donner ton maximum. Puis souvent, ben c'est ça, c'est que c'est plus difficile que ce que le monde va penser. Oui, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, dans le fond, là. mais tu sais, je dirais qu'aussi, c'est souvent que le monde ne se laisse pas assez de temps d'une compétition à l'autre avant de vouloir déjà en faire une deuxième. Tu sais, je pense pour la première, tu sais, moi, personnellement, j'ai fait ma première, j'avais 18, puis j'ai commencé à m'entraîner à 15, j'avais une shape de marde, on s'entend, là. Mais t'avais quand même 3 ans d'entraînement. Ouais, mais reste que j'avais pas un physique qui était, tu sais, excellent. Mais par la suite, j'ai attendu au moins 2 ans complets avant de vouloir remonter sur le stage. Mais souvent, je vais voir du monde que c'est leur première compétition, puis tout de suite, ils font comme « je veux refaire l'autre qui est dans 6 mois » ou « je veux refaire l'autre qui est dans même pas 1 an ». Tu sais, ça laisse pas le temps nécessairement de progresser assez, selon moi. Ouais, toujours en vouloir être en contest mode, là. Oui, ouais, c'est ça. Il faut toujours qu'ils soient en prep parce que le monde veut être en prep parce qu'ils sont capables d'être sur la coche quand ils sont en prep. Mais sinon, off-season, ben là, on dirait qu'il n'y a comme plus d'objectifs puis ça devient plus difficile. Là. Mais c'est vrai aussi, mais… Mais je pense que le monde, en général, prenne pas la peine de se donner le temps d'aimer l'entraînement puis d'aimer bien manger. T'sais, avant d'aimer faire de la compétition, il faut que tu aimes le processus, il faut que tu aimes ça t'entraîner, il faut que tu aimes ça justement bâtir de la masse musculaire, tout le kit. Fait que c'est étape par étape, mais de plus en plus aujourd'hui, on voit beaucoup de monde qui veulent juste brûler des étapes puis juste passer du point A au point D sans passer par le point B puis C puis tout le kit. Bien, souvent, ce qui arrive, c'est que le monde veut le résultat final. Ouais. D'être en shape, mais tout le processus de te rendre là, ça les fait chier. Ouais. Fait que si tu dis, je vais faire une compétition dans 1 an, je vais me donner le dernier 3-4 mois pour découper, tout le reste de l'année, je vais m'améliorer. Si tu n'aimes pas le process, tu as une année pénible en salle. Là, ouais. Si tu n'aimes pas ça le force feeding, si tu as un métabolisme vite, supposons, là, si tu n'aimes pas ça le crever de faim, si tu n'aimes pas ça le cardio, si tu n'aimes pas. Tu sais, pourquoi tu fais ça? Là, ouais. Si c'est juste le fait que, bon, la journée du concours, tu vas être en shape, je vais prendre des photos, puis ça va être cool, qui est ta motivation, écoute, you gotta love the grind, comme qu'on dit, ouais. Tu sais. Faut que t'aimes ça rusher, puis que, souvent, je dis à mes athlètes, tu sais, quand tu trouves ça dur, là, faut t'en retirer une certaine fierté de tout ça, sachant que t'es capable de faire quelque chose qu'il y a bien du monde qui vont flancher, puis ils seront pas capables. Fait que faut que tu te sentes un petit peu comme overpowered, tu sais, c'est comme, alright, hey, je fais quelque chose que je sais qu'il y a bien du monde, là. Qui vont crasher, ils ne sont pas capables. Moi, je t'offre, ça me met une petite coche au-dessus des autres parce que j'ai de la discipline, j'ai de la persévérance. Mais si tu n'aimes pas ça, tout le processus, trouve-toi un autre job parce que ça va être les one-hit wonders. Ils vont faire un show, peut-être 2, après ça, whoop, ils ont crashé parce que soit ils ont été trop vite, ils ont pris trop de stock, puis là, ils ont crashé, ils sont en dépression, ou ils sont blessés, ou carrément, ils se sont rendus compte, « Chris, c'est pas ça que je vais faire de ma vie. » Parce que, tu sais, c'est un lifestyle qui est 24 heures sur 24. C'est pas comme jouer au hockey, tu te présentes au game, tu joues ta partie, puis that's it, puis tu fais ta pratique. C'est 24 heures sur 24 dans ton affaire. Fait qu'on dort, et Chris, le sommeil, c'est important. C'est là que tu récupères. Tu dors pas, bien, Chris, rentre tes repas, tu as un nombre de calories à rentrer dans ta journée. Après ça, tu as ton training, tu as peut-être du cardio à faire en plus. C'est bien des affaires. Fait que s'il n'y a rien là-dedans que t'aimes, dude, fais quelque chose d'autre, là. Ou fais comme bien du monde sur Instagram, puis modifie tes photos avec Chris, un enfant de 3 ans capable de modifier ses photos à ça. Fait que tu peux plus te fier ses réseaux sociaux. Non, qui est en shape?
Fuck, tu vois en shape, tu vois la journée du concours, c'est plus le même gars. Tu dis, ah ouais, OK. Quelque chose de louche. T'sais? Mais c'est une option. Ouais. N'importe quel cadre capable de modifier ses photos à faire sur Instagram, puis avoir l'air écœurant, puis être Insta-famous, puis avoir bien des followers. Puis Chris va peut-être avoir des commanditaires de plus que toi, parce que lui, il a plus de followers que toi, parce qu'il y a une meilleure application que toi pour modifier ses photos. Comme c'est ridicule, là. Mais ça revient, tu dis, Simon, le monde qui font des compés back-à-back, c'est souvent parce qu'ils n'aiment pas le grind, fait que là, ils ont besoin d'avoir un objectif, parce que s'ils sont comme, OK, je compétitionne dans 3 ans, là, comme ils sont comme, OK, ben, ils vont pas faire ce qu'il faut. Parce qu'ils n'aiment pas, le processus que ça prend pour se rendre là. Puis c'est comme Julien disait, tu sais, faut que tu commences par aimer l'entraînement, puis aimer la nutrition, puis aimer genre tout ça avant de vouloir compétitionner. Puis quand j'ai commencé, c'est ça. Si je m'en rends compte, au début, j'avais aucune idée, je voulais même pas compétitionner. C'était un de mes chums qui, lui, il trippait bien gros là-dessus. Il me montrait des fois des vidéos de bodybuilder, puis tout. Pis au début, j'étais comme, ah, c'est quoi ça? Je veux pas faire ça. Non, mais ça, ils sont ben trop gros. Je veux pas te servir à ça. Fait que, mais tu sais, tout ce que je voulais, c'était m'entraîner, puis moi-même, tu sais, performer, puis m'améliorer, t'sais. Mais c'était pas dans le but de faire une compétition. Mais maintenant, le monde, ils ont même pas mis les pieds dans un gym, mais déjà, ils veulent la shape qu'ils ont vu sur Instagram. Non, le pays, ils ont même pas acheté le membership, mais ils ont encore déjà leur premier cycle d'anabolisant. Ouais, aussi. Vous jugez après combien de temps, là, que, mettons, tu fais naturel pendant combien de temps avant d'embarquer, optimalement, vous pensez? 5 ans minimum. Moi, je pense que c'est un mix de temps et d'âge. Ouais. Puis encore là, je veux dire, ça va varier selon chaque personne. Mais moi, ce que je remarque, mettons, puis ça fait juste 5 ans et demi que je coach, mais on dirait que l'âge à laquelle le monde commence est de plus en plus jeune. T'sais, on dirait qu'à chaque année, ça recule d'un an. Puis là, c'est rendu que 17 ans, 18 ans, ça parle d'insuline, puis toute la kit. Puis. J'ai entendu qu'il y a une compagnie qui a du trend for kids maintenant. Là. Mais. Nano trend. Ouais, nano trend. Mais, tu sais, je pense qu'il faut que ça fasse un bon 3-4 ans très sérieux. Tu sais, fait que ça ressemble à ce que tu dis. Mais aussi, tu sais, que tu aies la maturité nécessaire pour prendre une décision comme ça. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement juste, ah, ça fait 4 ans que je m'entraîne, fait que je suis prêt à y aller. Tu sais, ça fait. Le 4 ans n'a pas la même qualité pour chaque personne non plus. T'sais, ça fait 4 ans que tu t'entraînes, mais on and off, puis que tu sors la fin de semaine, puis que la semaine tu t'entraînes, mais juste pour avoir une pompe le soir quand tu sors, ça n'a pas la même valeur selon moi qu'un 4 ans solide, mais certainement pas après un an. Là, est-ce que c'est la faute juste des jeunes, des athlètes? Non, je pense pas. Je pense que c'est la faute aussi de certains coachs que c'est, ah ben, tu veux faire ta première compétition, ben, si tu veux être compétitif, tu n'auras pas le choix de faire un cycle. Fait que, c'est ça qui est ça. Au lieu de dire, ben, ce qui n'est pas faux, là, je veux dire, dans le monde d'aujourd'hui, tu ne peux pas être compétitif nécessairement en bodybuilding si tu ne fais pas un cycle, mais au lieu de dire, ben, regarde, on va prendre une année de plus avant de commencer ou quelque chose comme ça, au lieu de dire, OK, ben, on va commencer avec un cycle plus léger puis tu vas pouvoir faire ton show, fait qu'il y a une responsabilité des deux bords, selon moi. Fait que c'est ça. Ouais, moi, qu'est-ce que je dis, c'est idéalement pas en bas de 25 ans. Puis, peut-être, au moins une couple d'années d'entraînement solide, là, solide que tu prends pas de break. Là, pas une affaire que je me suis entraîné 6 mois, j'ai arrêté 3 mois. Après ça, ben, il est arrivé ici. On s'en fout qu'est-ce qui est arrivé. Là, t'as-tu, c'est-tu quelque chose de quotidien pour toi là, d'aller au gym? C'est régulier? Oui. Tu as passé 25 ans, ton taux de testostérone, il montera pas plus haut naturel. Correct. T'sais, mais encore là, tu checkes le gars. Tu rentres dans ton bureau, puis le gars, il est borderline dépressif, là. Tu veux-tu manipuler ses hormones? Tu peux-tu lui dire, faut-tu faire attention à la personne à qui tu parles? Puis il y a du monde que ça va super bien passer. T'sais, comme il y a du monde, tu peux faire un cycle de 12 semaines, puis il va arrêter 12 semaines, puis il va continuer à s'entraîner, il va continuer à manger. Puis il y a du monde que quand ils sont off, ils sont plus fonctionnels, ils n'ont plus d'appétit, ils n'ont plus de libido, ils n'ont plus la drive pour aller s'entraîner. Dans ce temps-là, peut-être pas une bonne idée que tu manipules tes hormones. C'est pas pour toi. Mais du monde qui sont capables de tu sais, il y a du monde qui change pas pantoute, là. C'est comme un Gregory Ulysse. Ouais, c'est vrai. On, off, il s'entraîne fort. Il est à son affaire. Il est dans le gym. Cool, man. T'es un bon candidat pour ça. Il y a juste du monde qui ils vont faire un mini-cycle de Winstrol pendant 12 semaines. Ils vont arrêter. Ils vont dire, ah, je fais plus jamais ça de ma vie. Je vais me picher une balle dans la tête. Dude, t'as juste pris ça, puis... T'étais, regarde, touche pas à ça, là, c'est pas bon pour toi. Tu sais, fait
faut que tu fasses attention, mon. Fait en bas de 25 ans, pas une bonne idée. Mais, tu sais, j'en ai un petit jeune de 21 ans, il rentre dans mon bureau la semaine passée, il dit « ça fait 5 ans, je suis on non-stop ». Son adresse email, c'est le sustenon et qui pèse à hotmail.com. Tu dis, tabarnan, tu es sérieux, là? Essaye d'être off un peu, tu sais. Ce serait peut-être une bonne idée. Fais tes blood work, check. Puis ils partent avec même pas de blood work. Fait qu'ils n'ont aucune maudite référence de savoir ton système, OK, il est fucké. Oui, t'as-tu fucké en partant? Il t'a toujours été de même? T'as pas de point de référence. Fait que tu t'en vas aveuglement là-dedans. Tu sais, il n'y a pas de manière hyper intelligente, mais il y a des manières moins niaiseuses que d'autres de faire ça. Tu sais, je pense qu'il y a un coach à pogner sur Instagram, Manny, qui expliquait. Tu sais, si tu commences à prendre du stock puis tu n'as pas, mettons, une shape décente, même une quantité de muscle décente, les stocks ne te donneront pas de muscle décent. Là. Je veux dire, si tu n'as pas l'air de faire du muscle naturellement en t'entraînant, soit que ton entraînement ou ta nutrition, c'est vraiment de la merde, parce que c'est pas vrai que ça va donner musclé. Fait que prends un gain naturel là-dessus. Si dans le temps que j'en faisais encore, des coachs, moi, ça fait pas si longtemps que j'avais arrêté de compétitionner. Fait que, tu sais, là, on a une crevette à côté de vous autres, mais c'était pas si pire dans le temps. Fait que des fois, je disais pas trop, bien, on va aller au gym. Tu sais, moi, j'étais off, c'est après la compétition des années de temps. Puis je dis, on va aller au gym, moi, je prends plus rien. C'était quand même me suivre au gym, puis après, ça va bien. Ouais, mais c'est bien trop dur. OK, d'abord, tu t'entraînes pas, là. Tu sais, pour vrai, tu t'entraînes pas fort, là. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je suis jamais été un gars qui était reconnu de m'entraîner très fort, puis ils peuvent pas me suivre au gym, ça va pas bien, là. Tu sais, je dis, comme on parlait de Greg, je t'offre pas un workout avec Greg. Je pense que moi et Larry, un après l'autre, on t'offrait Greg. Tu sais, je dis, ça n'a aucun sens. Mais il est content comme ça. Puis là, c'est un vrai pro. C'est dur à dire, là, mais lui, il a tout pour être pro. Là. Il arrive au gym, puis il va sortir du gym, son chandail, il est trempé à la vette. Lui et Khaled sont pareils. Tu sais, mais ça, c'est gars, tu fais comme, regarde, tu es capable de faire la moitié de son workout, ouais, ça va bien aller. Mais je pense que ça, c'est un bon point que si tu veux te rendre pro un moment donné ou si tu veux compétitionner, d'aller t'entraîner quelqu'un qui est à ce point-là, juste pour voir à quel point que ça prend ce niveau d'intensité-là de t'entraîner. Tu sais, tu regardais Coleman, Dorian Yates, tu sais, tout le monde, des pros s'entraînent tout fort. Tu n'as pas un pro qui est comme s'entraîne à moitié. C'est relatif, il y a bien du monde qui pense qu'il s'entraîne fort. Ouais. Tu sais, des fois, je donne un programme à un client qui ah, il est trop facile ton programme. Pardon? On l'entend souvent. C'est facile. Quand il me tue une couple de fois, j'y paye un entraînement privé avec moi juste pour l'avoir vomi. Tu sais, si, Chris, le programme le plus simple au monde peut être très dur, dépendant de l'intensité que tu mets dedans. C'est pas parce que c'est super, hey, super set, drop set, giant set, si ça. Pas obligé d'être de même, là. Tu peux faire une série de 10, genre, puis être détruit. Tu n'as pas besoin de t'exténuer pour être brûlé physiquement, tu sais. C'est pas parce que tu fais beaucoup d'affaires dans le gym que c'est efficace. Non, c'est ça. C'est l'intensité que tu vas mettre à chaque set puis chaque exercice qui fait la différence. Les gars qui poussent jamais all out ou qui prennent des temps de repos trop longs ou que hier on niaisait justement, j'étais au gym puis j'ai carré mon frère, je disais qu'il faisait un set de texte entre ses sets. J'ai dit ça, là, ouais, c'est pas bon, là. Tu sais, c'est un set de texte, là. Le téléphone, il dans la case, là. Tu sais, t'as pas besoin de ton téléphone, là. Tu sais, vous autres, oui, pas sur Instagram, là, mais tu sais, nous autres. Puis, il y a beaucoup de mythes qui entourent le... Il y a comme une mythologie. J'ai encore une autre erreur. Okay, vas-y. On peut faire 3 heures d'erreur. Ouais, c'est ça. Non, mais celle-là, c'est pas par rapport au client. Je pense que c'est par rapport au coach, puis moi inclus. Je sais pas, vous, dans votre cas, là, pour les trois, si ça fait ça ou déjà fait ça, mais tu sais, des fois, de trop prendre pour acquis que le client va écouter puis tout respecter le plan. Tu sais, moi, je compétitionne, fait que dans ma tête, pas suivre le plan, c'est impossible. Probablement que toi aussi, probablement que vous deux aussi. Mais c'est pas comme ça pour les clients. Puis c'est pas tous les clients qui vont le dire non plus quand ils écoutent pas. Fait que des fois, tu sais, de trop prendre pour acquis que ah, tout va être fait comme je veux que ça soit fait, ben ça vient créer un retard d'une semaine à l'autre. T'sais, tu finis par le voir là, un moment donné. Comme, c'est pas normal que ça stalle pendant 5-6 semaines, mais. T'sais, en une semaine, tu ne vas pas nécessairement le voir. Puis des fois, c'est juste de venir, si on veut, revérifier avec le client. T'sais, tu fais-tu vraiment tout? T'sais, dis-moi c'est quoi que tu es supposé faire. Ou t'sais, ouvre pas ton plat, dis-moi c'est quoi tes repas de ta journée. Tu es supposé de le savoir quand même. C'est ça. Comme, matin, c'est parce que j'ai pas eu le temps. Là, ouais, ils ont toutes les excuses du monde où des fois, ils pensent que ce que tu leur dis de faire, c'est des suggestions. C'est pas des suggestions. Le plus que tu vas m'écouter, le plus que je vais être capable de bien te suivre. Parce que si tu fais à 5 sur 10 ce que je te dis de faire, il y a des bonnes chances que ça aurait fait 10 sur 10, tu aurais eu le résultat voulu. Fait que 5 sur 10, non, tu l'as pas fait encore. Là. Fais-les 10 sur 10. Quand mes clients rentrent dans mon bureau, je dis, OK, c'est une échelle d'1 sur 10, tu as suivi mes conseils à quoi?
Si tu me dis 5 sur 10, bon, ben, ton devoir, sa prochaine rencontre, c'est faire ce que je t'ai dit de faire le mois passé. Tant que tu n'as pas fait ça, on n'avancera pas. Moi, je ne changerai pas quelque chose dans ton plan si tu ne l'as pas suivi en premier lieu. Mais tu sais, si c'est pour une préparation de compétition, on s'entend-tu que la première journée où tu y remets ton plan, on part un peu avec l'idée que ben c'est de l'acquis là, que tu vas tout faire. T'sais. Fait que, tu sais, moi, ce que je me rends compte, c'est que des fois, dans le passé, je partais avec l'idée de ça dans ma tête de « OK, c'est une prep, fait qu'il n'y a pas de raison que ça soit pas du 100% que tout est respecté. » Puis finalement, « Oups, tu sais, le client, il a, mais là, je pensais que c'était pas si grave de le faire à 90%. » Non, non, comme, t'es en prep, t'as une date butoir. Tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui veut perdre du poids ou perdre du gras sur une période, sur 3 mois, mais qui a pas… Non, c'est ça, tu sais, que t'as pas de deadline ou que tu peux reporter ton deadline, peu importe, c'est pas la même chose. Fait que, tu sais, des fois, juste de… justement là, de prendre pour acquis que le client ne va pas tout suivre. C'est le même pour le monde en transformation physique. Le monde, il surévalue souvent ce qu'ils font. Là. Ils vont dire 90 % là, tu calcules avec eux autres, mais là, finalement, tu es plus à 70 % là. Tu sais, fait que le souper ici, la sauce là, le ci là, tu sais, fait que la majorité du monde n'ont pas de résultats si c'est pas au moins à 85-90 % vraiment, tu sais. En bas de ça, tu sais, ça marche à moitié. En bas de ça, la seule affaire à changer sur le plan, c'est suivre le plan, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu changes la date. En bas, suivre le plan. Mais je pense que, tu sais, le fait qu'il y a beaucoup de transformations extrêmes sur Internet et tout ça, le monde pense tout le temps qu'ils vont arriver. Ils vont faire un peu différent que ce qu'ils faisaient avant, puis ils vont perdre 30-40 livres dans le temps à dire, puis être ses abdos. On prend de l'eau, petit citron le matin, c'est fini, t'es cote. Mais c'est ça. Tu sais, comme coach, on fait le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Fait que, on a toute une génétique différente. Tes clients, il n'y a pas tout le monde qui peut être un Ronnie Coleman. Là. Fait qu'on t'amène au mieux que ta génétique peut le permettre. Puis en autant que tu suis ce qu'on dit, puis que tu le respectes, puis que tu le suis, puis tu ne fais juste, pas juste mentir à toi et à ton coach. Parce que, écoute, on s'entend, il y en a en salle des clients qui te mentent, puis qui te disent ce que tu veux entendre dans le bureau, puis que dans le fond, c'est pas ça pendant tout. Tu sais, combien de fois, moi, j'ai pogné des clients dans l'allée, tu sais, au GA, avec un paquet de cochonneries dans leur... Dans le, je dis, dude, pas supposé manger ça. Tu m'as pogné. Ah, ben, gars, donc... C'est parce que tu m'as toujours dit que tu allais mes ça. Affaires, puis là, je t'avoue manger ça. tu m'as pogné. T'es la main dans le sac, puis c'est comme, ah, ouais, j'ai de l'air cave, hein? Ouais, t'as de l'air vraiment... Ouais, exact. Mais c'est... non, mais c'est dans la même lignée. Justement, tu sais, si t'es un athlète, puis tu veux compétitionner, puis tu suis pas ton plan à 100% pour de vrai, mais tu sais, ça sert à rien. Mais puis sinon aussi, si tu le dis même pas à ton coach ce que tu as fait, comment que tu veux qu'on devine par la suite? T'sais? On peut pas te suivre optimalement de cette façon-là. Là, faut que tu sois intègre, puis que tu sois transparent. Ouais. Transparent, là. T'sais, si tu as fucké, ton coach a besoin de savoir là, pour faire les rectifications nécessaires. Dis pas qu'est-ce que tu vas entendre parce que tu as peur de te faire taper ses doigts ou quelque chose, tu sais. Nous, nos résultats, c'est les résultats des coachs, de nos athlètes, de nos clients. Fait que c'est dans notre intérêt d'avoir des bons résultats avec nos clients pour qu'ils nous fassent de la publicité, pour que ça continue à marcher. Mais si tu ne le suis pas, puis après ça, tu n'as pas les résultats que tu veux parce que tu ne le suis pas, puis là, tu dis, « Ah, ça ne marchait pas, on s'est changé de coach. » Ouais. Ça arrive souvent, là. C'est tout le temps à faute du coach. Really? Je pense que tu avais dit ça, Mané, dans un post où on s'était parlé. Puis, tu sais, la fille rendait à 6 coachs dans 2 ans. Tu fais comme. C'est pas les six coachs. Je pense pas que c'est le coach. Là. Je te dis ça de même. Ça. Des fois, moi, j'aime. Tu sais, quand arrive un client, puis là, il chiasse son ancien coach. Puis là, je demande c'est qui. Puis des fois, il sort un nom. Puis je suis comme. Je pense que c'était tout le problème plus que le coach. Parce que, tu sais, normalement. Puis ça, on s'entend. Là, tu suis la pire affaire sur la terre. Si tu suis un protocole pendant un laps de temps, tu vas avoir certains résultats, tu sais. Il va se passer quelque chose. C'est pas des résultats que tu veux, mais il va arriver quelque chose. C'est ça, tu sais. Puis tu sais, en général, là, tu sais, au Québec, si t'as de la viande, des légumes, puis tu as un ensemble de trucs, peu importe les macronutriments, tu vas avoir quand même des résultats au niveau de ta composition corporelle, tu sais. Ouais. Tu sais, je te dirais même, généralement, tu sais, quelqu'un qui veut changer de coach, je vais toujours trouver que ça a plus de sens, quelqu'un qui veut changer de coach, pour des raisons genre mauvaise communication ou problème en termes de personnalité ou quelque chose de même. Mais tu sais, quelqu'un qui arrive et qui dit « Ah, le plan que j'avais, c'était poche, là. » Ça marche pas parce que tu aurais eu des résultats même avec un plan poche. Tu sais, parce que ton plan poche était sûrement mieux que ce que tu faisais avant, peu importe. Fait que, tu sais, tout ce qui est plus en termes, justement, personnalité, communication, manière de travailler, ça, je peux le comprendre sans problème. Mais
pour le reste, des fois, il faut se regarder nous-mêmes. Là. Pas en tant que coach, mais justement en tant qu'athlète. Ben c'est le job aussi de coach de peut-être refuser le client que tu vois que ça ne fit pas. Là. Ouais. Ça m'est arrivé des fois là, quand je suis en bodybuilding de « Ah, mais moi, je vais me faire suivre partout. » Non, pourquoi? Ben, tu m'énerves. Ouais, tu me parles là, puis tu m'énerves déjà. Fait que dans 6 semaines, tu vas tellement m'énerver, ça n'aura pas de bon sens. Fait que je veux te référer à quelqu'un qui s'en sac, puis il va te prendre, lui. C'est même chose, là, c'est de l'affaire qu'il faut apprendre à faire, nous, parce que si nous, en plus, on l'aime pas, on est bête. Mais là, le client, c'est pas un service que tu y rends. Là. C'est prêt à référer à quelqu'un d'autre qui va l'endurer, puis il va avoir un service qui a du sens. Là, Si on parle de la mythologie du bodybuilding, qu'est-ce qui entoure ça? Les mythes là, qu'on entend, autant cardio à jeun que faut que tu sois zéro carb. Ou, c'est quoi les plus gros mythes que vous entendez? Tellement. Moi, je pense que le plus gros mythe, là, c'est niaiseux, mais ça va un peu toutes les englober, là, mais c'est qu'il y a juste une façon de se rendre au point final, si on veut. T'sais, je veux dire, est-ce que cardio à jeun, c'est nécessairement mieux? Peut-être, peut-être pas, mais je veux dire, est-ce que si tu fais pas ton cardio à jeun, tu vas pas pouvoir arriver en aussi bonne condition? Non, pas nécessairement. Est-ce que si tu fais une diète keto, ça va pas marcher ou ça va marcher mieux? Ben, peut-être que oui, peut-être que non. Il y a plein de façons, je pense, de travailler puis de se rendre justement au point final. Puis, tu sais, je veux dire, on peut regarder autant les coachs au Québec que les coachs qui coachent les gars d'Olympia. Je veux dire, ils n'ont pas toutes la même méthode, puis les gars, ils arrivent quand même tout en shape. T'sais. Fait que je pense que ça, c'est un gros mythe de penser qu'il y a une façon, puis que la façon de Julien de travailler, c'est la meilleure, ou la façon de Larry de travailler, c'est la meilleure, ou de Mathieu ou de Simon, peu importe. Je pense que toutes les façons peuvent être bonnes, mais toutes les façons ne sont pas nécessairement bonnes pour chaque personne. C'est individuel. Un bon coach va être capable d'être un caméléon puis s'adapter au client. Si tu prends des coachs que lui, il met tout le monde sur keto, puis l'autre... Non, on va pas dans les absolus, là. Fais une bonne évaluation à ton client, donne-lui qu'est-ce que lui a de besoin. Fait qu'il n'y a pas une méthode meilleure qu'un autre. Ça dépend de... Bon, ben j'ai Jean-Marc devant moi, Jean-Marc, il dort pas. Donc, toute ton évaluation va te dicter qu'est-ce qu'il est capable de faire comme entraînement, qu'est-ce qu'il est capable de faire comme plan nutritionnel, même sa supplémentation. Fait qu'il n'y a pas une méthode universelle pour tout le monde. T'es bien des chemins qui se rendent à Rome, puis c'est totalement vrai dans la nutrition, dans l'entraînement, dans les produits. Dans tout. Produits. Mais les produits aussi, c'est tout individuel. Fait que les cookie cutters, tout le monde fait la même affaire, bien, c'est un coach qui va probablement te coûter moins cher, j'espère. Tu sais, tu veux aller plus spécialisé, plus customisé de qu'est-ce que tu as vraiment besoin. Tu vas avoir quelqu'un d'un petit peu plus compétent qui va te donner exactement l'évaluation propice à savoir qu'est-ce qu'il va te donner au bout de la ligne. C'est un peu comme tu parlais, Simon, tantôt, que tu as essayé des affaires avant, que tu mangeais comme des tonnes et des tonnes de protéines, tu avais les cheveux enflés, tu sais. Fait que, tu sais, c'est des affaires que... Puis j'écoutais une interview avec Milos Sarchev cette semaine, puis lui, il disait que c'était comme 450-500 grammes de protéines par repas, là. De viande. Puis, ouais, de viande, moi, c'est ça. Puis, tu sais, pour lui, puis là, tu dis que tu manges 170 grammes, puis tu réponds mieux, genre. Fait que, tu sais, c'est vraiment individualisé à chaque fois. C'est ça, tout le monde est vraiment différent. Tu sais, récemment, j'ai eu deux personnes, deux amis, mettons, que j'ai commencé à coacher. Puis, il y en a un qui vient me voir, puis il me dit, mais tu sais, c'est pas juste, pourquoi moi j'ai moins de carbs que l'autre? C'est pas juste. Ben, vous n'êtes pas le même, vous n'êtes pas pareil, ici. Vous êtes deux personnes différentes, là, c'est ça. Je t'aime pas, c'est pour ça. Non, mais. Fait que, tu sais, c'est normal, il n'y a pas un plan qui va être pareil. Là. T'sais, des fois, il va y avoir deux plans qui vont être semblables aux deux personnes, puis ça va fonctionner, mais t'sais, souvent, d'une personne à l'autre, tout le monde va être totalement différent. Mm. Puis les mythes, un mythe qui vient en tête, c'est le poisson blanc que ça amincit la peau. C'est ce genre d'affaires-là. Coupe la viande rouge, puis quand est-ce? Ah ouais, tu es comme tabarnak. On l'a vu pas mal, tu sais, on s'entend que c'est encore populaire, l'affaire du poisson blanc. Là. Moi, ça me fait capoter parce que, tu sais, pour vrai, moi, ça me dérangeait. Moi, j'aimais ça. J'en mangeais parce que j'aimais ça, pas parce que ça faisait coter. T'sais, j'en mangeais même plus parce qu'il y avait moins de gras dedans. Puis moi, je check plus le nombre de calories que. Fait que j'étais comme, ben non. Même quand mes clients, je leur disais, ben c'est du poisson, on rajoute 10 % de poids. Pourquoi? Il n'y a rien du poisson. Rajoute-en. C'est pas comme si tu mangeais du bœuf. L'industrie du tilapia a monté. Ouais, c'est ça, hein. En fait, dès qu'on quelqu'un tombe en prep, l'industrie du tilapia monte. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Là? Le poisson? Ouais. Ben, moi, je pense que l'affaire d'amincir la peau, puis. Tu vois, moi, personnellement, pas souvent, là, mais dans certains cas, je vais switcher, exemple, le poulet puis le cheval pour du poisson blanc en fin de prep.
Mais la raison, c'est niaiseux, là, dans mon cas, c'est juste que si je te laisse ton 200 grammes de poisson, en fait, que je switch ton 200 grammes de poulet pour du poisson, ben sans que toi, tu vois une quantité qui est plus petite en viande sur ton plan, je viens de te couper 2 grammes de gras ou 3 grammes de gras par portion, tu sais. Fait que si t'en manges 3-4 fois dans ta journée ou 5 fois, peu importe, ben je viens de te couper un 15-20 grammes de gras par jour, sans que toi, tu viennes me chialer que je viens de te couper des calories, tu sais. Fait que, est-ce que ça amincit la peau? Non, pas du tout. Mais est-ce que c'est une façon de réduire des calories invisibles, si on veut, à ce niveau-là? Oui, tu sais, puis je veux dire, 20 grammes de gras, bien, tu sais, si tu fais le calcul sur une semaine, c'est pas si pire, mais si tu le fais sur 6 semaines, 7 semaines, là, tu te ramasses avec un 3500 calories. Ah, qui paraît, puis ça n'a pas paru. Bien, c'est ça, tu sais, puis si tu as 3500 calories, on peut dire, bien, tu sais, c'est une livre à peu près, mais une livre sur le stage, ça paraît en sacrement, tu sais, fait que, tu sais, pour... Je pense que c'est là que ça a parti. C'est juste une forme de protéines hyper maigre. Exactement. Puis qu'il y a un cave qui ne savait pas trop de quoi il parlait, qui a dit « Ah, oh, ça amincit la peau ». Puis il y a un autre cave à côté qui a trouvé que ça faisait du sens puis qui a continué à la vague puis ça s'est répandu. Ouais. Mais au bout de la ligne, c'est « Bon, ben, all right, tu veux garder les protéines hautes, t'es rendu à la fin de la prep, là, il faut que tu coupes en quatre parts, all right, on coupe le maximum, mais on va essayer de garder les protéines, fait que le poisson blanc, okay, ouais. Ça a l'allure. » Du cheval puis du poisson blanc. Là. Cheval, poisson blanc, des blancs d'œufs. Ouais. Cheval, c'est juste qu'aux États-Unis, ils peuvent pas en manger, fait que c'est pas populaire. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est pas légal. C'est pas pareil, il n'y a pas la même. C'est vraiment bizarre, mais quand j'allais aux États, puis je faisais exprès de dire que je mangeais du cheval. Ils trouvent ça bizarre, hein, ouais. Ils me regardaient tellement, là, comme. Ouais. Hein, le yacht drop à bord. Ouais. Là, je lui disais, ben. C'est maigre. Plus l'air, tu veux-tu plus avoir l'air d'un cheval ou d'une vache? Ah, oh, ouais, ça fait du sens, hein? C'est ça. Ouais, cheval, j'ai mes talons. Puis, y a-tu d'autres mythes qui vous viennent de même? Parce qu'il y en a tellement eu, puis il y en a encore tellement, puis ça dépend. Tu sais, des fois, il y en a qui ont été cassés, tu disais le cardio à jeun. Tu sais, il se fait longtemps que ça a été quand même cassé, que c'était plus efficace. Mais comme Julien disait, il y a du monde qui vont bien répondre à ça. T'sais, moi, j'ai des clients, quand je faisais des preps, qui répondaient très bien à ça, juste parce que dans leur mindset, ça se faisait mieux. Mais c'est pas vrai que ça marche mieux. C'est juste que dans cette personne-là, c'était plus optimal de le matin faire son cardio puis faire d'autres choses. Bon, c'est ça la raison pourquoi je le mets. Je dis, si tu le fais première chose le matin, tu es sûr de l'avoir fait, OK, fais-les là. Parce que si tu dis, je vais le faire le soir, puis il y a 5 jours sur 7 que tu es trop fatigué le soir, tu le feras pas. Bien, fais-les le matin, get it out of the way, comme ça, tu es sûr. Ça va-tu vraiment brûler plus? Non. Tu sais, puis encore là, tu check. Le gars, si le cortisol au plafond, peut-être pas une bonne idée. Fait qu'encore là, c'est sur ton évaluation. Tu sais, si le gars, il dort pas, il partira pas sa journée avec une heure de cardio à jeun. Là, c'est comme. Cortisol encore plus dans la pine. Ben ouais, c'est ça. Puis tu sais, à l'inverse, tu sais, depuis tantôt, on dit que chaque personne va répondre différemment, ce qui est totalement vrai. Mais je pense aussi que chaque entraîneur a une ou certaines méthodes dans lesquelles ou laquelle il croit un peu plus. Il y a du monde qui vont préférer travailler avec plus de carbs, moins de gras. Il y a du monde que ça va être l'inverse. Puis après ça, la job, ça va être plus de voir, bien, si ma méthode préférée ne marche pas, de là venir faire les modifications. Au même titre qu'avec le cardio, au même titre qu'avec les produits, c'est pas de l'individualisation en partant à 100%, mais je pense que c'est beaucoup plus de l'adaptation par rapport à une méthode que nous, on préconise. Moi, personnellement, en tout cas, là, je ne sais pas vous comment vous travaillez, mais je sais que pour moi, il y a des choses dans lesquelles je crois plus que d'autres personnes ne seraient pas nécessairement d'accord. Fait que je me dis que ça doit être la même chose pour pas mal tout le monde. Là. C'est normal, ça fait partie de l'expérience. Ouais. Les choses qu'on a essayées qui marchent vraiment bien, ben, pas le changer, c'est ça, je l'aime, celle-là. Fait que... Puis ça va un peu avec les, que ton client doit être capable de te parler de comment qu'il progresse puis la vérité de ses affaires. Parce que si t'as ça, mettons, tu le mets super low carbs en off-season, mais il en mange plein. Puis là, t'es comme tabarnouche, ça répond bien. Puis là, t'es comme, on va juste couper un peu plus quand t'arrives en prep. Puis là, il est comme, ouais, mais finalement, je mangeais genre. Le mauvais feedback dans le fond. C'est ça, tu sais, le mauvais feedback. Un peu les produits, c'est la même affaire. Tu sais, c'est un client qui double les doses, puis là, que. Il est comme, mettons, il fait du déca, puis là, il double les doses, puis là, il est comme, hey, je fais le bizarre un peu, puis là, t'es comme, OK, mais là, on va couper tes doses à moitié ou on va prendre des anti-œstrogènes, puis là, il le fait pas parce qu'il veut garder ses doses autres, mais là, après ça, t'arrives en contest prep, puis là, t'es juste tout mélangé, là, tu sais. Ça, c'en est un gros mythe, the more is better. Ouais. Tu sais,
More is better, quoi? Tu essaies de compenser ton manque de génétique par plus de produits chimiques? Non. Tu as une génétique de marde, tu vas avoir une génétique de marde, c'est peut-être pas ton sport, mais tu compenses pas, puis tu viendras pas plus gros. Je sais pas pour vous autres, là, mais combien qu'il y en a des nouveaux clients qui rentrent dans votre bureau, puis ils disent, bon, j'ai tel âge, j'ai fait ça comme cycle dans ma vie, puis il y a de l'air d'une pinotte. Oui. Tu dis, tabarnouche, il me semble que tu aurais tout fait comme il faut, là, aux doses, puis il me semble que tu devrais être un Dorian Yates. C'est pas le cas, là. Fait que tu te rends compte que finalement, non. Tu crées un environnement anabolique propice à des gains, mais c'est pas ça la priorité. Puis c'est pas more is better. Il y a un cost-benefit ratio. À un moment donné, tu pourras pas progresser plus si tu fais juste augmenter tes side effects, là. Si tu veux vraiment ça, tu veux. Mais on est dans un sport de monde insécure. La part du monde qui sont commencés à s'entraîner, c'est parce qu'ils veulent cacher une insécurité. OK, je me fais écœurer à l'école, je me commence à lever des poids, je vais gagner 100 livres. Après ça, ben, tu sais, je vais être plus confiant. Non, tu n'es pas plus confiant. La confiance, l'estime de soi, c'est comme plus profond. Fait que tu vas juste être un plus gros gars insécure. Tu sais? Ben là, si tu es insécure d'avance, tu ne peux pas avoir un concours. Tu sais qu'un tel prend telle affaire parce que il a blogué sur Internet qui faisait ça. C'est peut-être juste de la bullshit. Ben là, tu sais, oh, tabarnouche, si lui fait ça, ben moi, je suis tout aussi bien faire la même affaire. Sinon, lui a un edge sur moi. Ça ne marche pas de même. Il y a du monde qui ont besoin des très infimes doses. Puis ils vont tourner pro. Moi, j'ai tourné pro. On n'aimera pas de nom, on ne fera pas de name dropping, mais j'ai tourné un gars qui est pro, qui a fait l'Olympia, qui a tourné pro à des doses de bébé. Okay? De moins la moitié que qu'est-ce qu'un gars ferait à un régional. Puis le monde, mais c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que le gars, il est hyper peur de faire du stock. Fait que lui, c'était comme... C'était minime, là. Il a tourné pro. Après ça, le monde, ah, c'est pas vrai. Non, oui, c'est vrai. T'as pas besoin de tant de stock. Il y en a, oui. Faut que tu pousses un petit peu plus parce qu'ils ont crissement pas génétique. Mais écoute, quand t'es rendu avec des doses d'éléphants, là, bah, repense à ton affaire. Fais d'autres choses. Ça te coûte 10 000 faire la coupe pro-gym. Hey, le monde coupe pro-gym, ça lui coûtait des 25 000. Je suis comme, mais voyons donc. Pour un sport qui ne te rapportera rien, parce qu'on s'entend qu'on est les athlètes les plus exploités de la planète. Là, on tourne pro, puis on pense que les portes, ça doit cogner aux portes avec les commandites. Puis ça, tu te rends compte, si je paye encore pour mes concours, puis je suis pro, là, je m'en souviens, les dernières années que je coachais des amis beaucoup pour les compétitions de bodybuilding, puis j'étais backstage avec un de mes amis qui était mon athlète. Puis là, les gars, ils parlaient, parce que lui, il n'était pas dans le domaine du bodybuilding du tout. Lui, il a juste fait un concours de même, on l'avait préparé, puis il était en shape, tu sais. Puis le monde backstage venait le voir, hey, t'es en shape, tu sais, 5 et 8, 185, premier concours, tu fais comme crime, il est pas pire. Comment t'as coûté ton concours? Il me regardait, moi, ça a coûté le concours. 500 piastres. 500? Oui. Ben c'est quoi? C'est ça que tu charges, 500? Non, c'est ça que ça y a coûté. Au complet. Chris, c'est plus gros que moi. Ouais, il mange. Il a mangé, lui, jusqu'à la fin, tu sais. Ah! Chris, c'est la coupe pro gym, là. Sérieusement, s'il a fallu que tu appelles ton la banque pour faire la coupe pro gym, ça va mal. Ou c'était fort en Asti cette année-là, là. Tu sais, mais... C'est ça, tu sais, je pense que si tu ouvres les valves rendu, tu sais, même pour faire province ou... Tu sais, je pense qu'après ça, ben... Si tu fais ça pour le fun, t'espères pas tourner pro un moment donné, parce que si ça te prend tout pour te rendre, pour même finir top 3 à province... Mais c'est qu'après, tu vas faire quoi, t'sais? Tu brûles les steps un petit peu, là, tu te gardes plus de jeu pour continuer à progresser par la suite. Là. Ouais, exact. C'était un peu le running gag, une couple d'années, c'était tout le temps, combien de boîtes t'as pris? Fait que toi, combien de boîtes t'as pris? On parle de boîtes d'hormones de croissance. Hey, écoute, regarde bien, là, zéro. T'sais? Ah, OK. Toi? Ah, ça m'a coûté 5 000 en boîte. OK. Le 10-15 ans, c'est ça qu'on pensait, nous autres. Tu voyais un pro qui progressait, là, c'est comme RGH. Tu sais, RGH, c'est qu'est-ce qui fait la grosse différence. C'était la nouvelle affaire. C'était la nouvelle affaire. Là. Puis là, si tu faisais pas ça, là, puis les gars dépensaient des 1 000$ par mois là-dessus, puis t'as pas bien plus gros. Compte de banque, t'es plus petit, par exemple. Ouais, c'est ça. Fait que, de penser qu'il y a une substance qui va faire toute la différence du monde, là, non, ça marche pas de même. Mange, dors, puis entraîne-toi fort. Après ça, quand ces trois affaires-là là, sont sur la coche, là, tu peux penser à d'autres affaires. Mais tant que tu manges pas assez, tant que tu t'entraînes pas adéquatement, dépendant de ce que tu es capable de récupérer d'eux, ton volume d'entraînement va dépendre de
es-tu capable de récupérer ton workout? T'sais, encore là, es-tu capable de faire 6 workouts par semaine? Ben, si tu dors ton 8 heures minimum, peut-être. Si tu dors 4 heures, peut-être 3 workouts par semaine serait bon pour toi. Ça t'sais. Dépend de c'est quoi ta job. C'est ça. Tu travailles à la construction ou tu poses des crayons. T'sais, fait que tout dépend de ça. Fait que... Mais c'est que pour beaucoup de personnes, on dirait que les produits, c'est comme la base, tu sais. Ils vont être prêts. Leur première question, ça va toujours être par rapport à ça. Puis ils vont être prêts. Ils vont dire, je vais faire un cycle, j'ai 1500. Donne-moi ce que, dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je prenne pour 1500. Mais après ça, tu vas dire d'aller s'acheter un produit au magasin, un Hepatic Defense pour protéger ton foie. Là. Mais ils ne voudront même pas payer le 50$. Ouais, c'est, cher, ouais. C'est trop cher. Es-tu vraiment obligé de prendre ça? Parce que, tu sais... Mais t'as juste un foie, fait que si tu veux, peut-être. Mais tu sais, puis ce que tu dis, tu sais, je veux dire, moi je fais des Q&A à chaque semaine, puis ça va avec ce que tu dis, tu sais, je le vois juste dans mes Q&A. Les questions, c'est ça. Les questions qui reviennent tout le temps, c'est pas souvent sur l'entraînement, c'est pratiquement jamais sur la nutrition. C'est tout le temps soit sur les suppléments ou sur les stéroïdes. Pourquoi? Parce que pour le monde, c'est une solution facile. C'est « Ah, je peux prendre une capsule. » Puis même là, tu sais, même stéroïdes, j'en ai qui me demandent tout le temps « Ah, est-ce que des oraux, c'est aussi efficace qu'en injection? » Pourquoi ils demandent ça? Ben parce que c'est bien moins difficile de prendre ça en pilule, tu sais. Fait qu'ils espèrent donc un oui. Mais tu sais, on le voit, c'est que le monde, puis ça revient avec ce qu'on disait au début, c'est que le monde veut une reconnaissance instantanée sans avoir à faire le gros du travail. Tu sais, c'est comme... C'est le même genre de monde qui veulent devenir millionnaire en allant s'acheter un billet de 649 ou de l'Automax au lieu de se dire « Chris, je vais travailler puis je vais bûcher dans une entreprise. » Ils se disent « Ben, Chris, m'a acheté un billet de loterie puis peut-être m'a gagné. » Ben, c'est un peu la même chose qu'on voit souvent. C'est « Ah, tu sais, je m'en fous de l'entraînement, je m'en fous de la nutrition, même si c'est ça qui est ma base. » Ce qui est le plus anabolique, c'est pas les stéroïdes, c'est la bouffe, tu sais. Fait que le monde, ils font ça à l'inverse maintenant parce que... Le monde a l'impression que la façon la plus rapide d'arriver à quelque part, c'est avec les suppléments, avec les stéroïdes, puis c'est la chose qui est le moins difficile à faire, là, si on veut. Ouais, c'est ça. C'est le easy fix. Ouais. Tu sais, je suis sûr que vous l'avez déjà vécu, là, tu sais, mettons, tu as un client qui prend juste comme une basse dose de testostérone, tu peux le faire progresser à l'année longue, puis c'est quelqu'un sur un TRT... qui fait ses affaires comme il faut, tu n'as même pas besoin de monter ses doses. Tant que tu as un environnement anabolique, je pense que le degré d'anabolisme n'a pas tant de... Il va avoir un impact peut-être que si tu pèses... Ça dépend où tu veux te rendre. C'est ça. Ça dépend où comment loin de ta génétique tu veux aller. Parce qu'on a déjà rencontré des freaks, là, un peu comme tu parlais tantôt, ou même d'autres, que tu rencontrais dans les fois des spectateurs des shows. Là, tu fais crier, il est bien gros, lui. Prends rien. Genre, tu demandes qu'est-ce que tu manges? Je prends de la créatine. T'es comme, tabarnak, pèse 250 livres, tu vois, il est cote à 250, puis tu l'as jamais vu de ta vie. Ça arrive, il y en a des de même. Mais ça se peut qu'il ait de la misère à grossir, lui. T'sais, c'est peut-être que même s'il prenait du stock, là, ça se peut qu'à un moment donné, ça marche pas, tu sais. Mais c'est comme la bouffe ou le training, c'est étape par étape, tu sais. Quand tu commences, exemple, la première fois, t'en prends, tu sais, va pas sur getbig.com, puis là, il est sur le forum, puis t'es comme, ah ouais, ça c'est bon, je vais prendre 1000 grammes, puis, tu sais, fait que c'est un peu le même principe, là, étape par étape. Tu sais, faut pas penser non plus que les... T'sais, parce que là, on parle de bodybuilders depuis tantôt, là, on oublie un peu les faits, mais tu sais, faut pas penser que les bodybuilders, même les pros, font partie de l'élite mondiale en termes de génétique, là, tu sais. Je veux dire, ils ont une bonne génétique pour bâtir de la masse musculaire, mais tu sais, si tu veux parler d'élite génétique, là, prends 3/4 des joueurs de la NFL, là, puis ils ont une génétique vraiment supérieure aux gars de bodybuilding. Puis je veux dire, c'est simple, là, tu sais, il y a bien des bodybuilders qui sont bodybuilders parce qu'ils n'étaient pas bons dans les autres sports, parce qu'ils n'avaient pas la génétique pour ça, là, tu sais. Fait que même là, tu sais, l'aspect génétique, je pense qu'il va jouer beaucoup sur aussi juste la réponse aux produits. Tu sais, je veux dire, comme Larry, tu disais tantôt, tu sais, il y a bien des pros qui prennent des doses plus basses que bien des amateurs, bien, parce que leur génétique leur permet, mais leur génétique, pas nécessairement leur génétique de naturel, mais leur génétique du fait de crime. Cette personne-là répond 4 fois plus à 500 mg de test que quelqu'un d'autre, tu sais. Sauf que, justement, tu sais, en termes génétiques, bien, il y a plein de monde qui a une génétique vraiment meilleure, que ça peut être un spectateur qui est même pas au courant, qui est en shape, tu sais, puis qu'il fait aucun effort, puis que tu lui demandes tu manges quoi dans ta journée, ben crème du craft dinner le dîner, puis ce que ma mère a fait le soir, puis that's it, là, tu sais, fait que... Ça, sont écœurants, ce monde-là, là. On avait un au Pro Gym, là, tout, je sais pas, il venait ce soir, là. Moi, je l'ai connu dans le temps que je traînais un bar, là. Il vient un moment au club, tu sais, moi, je commençais les compétitions dans le cours de 21-22 ans, tu sais, là, 2,30 à 5 et 11, là, lui, il rentre au bar. Il est genre 2 ans plus vieux, 250, 6 pieds 2, là, genre avec ses chums, c'est un gros noir, ben smart.
Là, je pense que chum, il fait un front military press à 275 livres standing. Là, je dis, lui? Ouais. Là, je dis, tu t'entraînes-tu? Un peu. Un peu! Estique, il a 19 pouces de bras, il a le chest gros de même. Tu sais, j'étais, voyons, ça n'a pas de bon sens. Il est juste un monstre en plus. Mais tu sais, il n'a jamais. Un gars s'entraînait plus sérieux, il prenait 10-15 livres, mais tu sais, c'était comme. Jamais, lui, il n'aimait pas ça, là. Il aimait ça parce que c'était relax, allait s'entraîner. J'étais, waouh! Tu sais, c'était moi, ce gars-là. J'aurais aimé ça voir, OK, un an sérieux, je veux voir quand cette chaîne tu vas avoir l'air. Il y a du monde qui sont juste carrément total freaks. Il y avait un gars qui s'entraînait. Un noir, il a tourné pro, il a bébé naturel, il a des cocos naturels à cette heure. Il est pro, puis quand je l'ai connu, il mangeait un repas par jour. Puis quand j'ai dit, tu aurais mangé un petit peu plus de repas, il pensait que j'essayais de le saboter, puis de, il ne créait pas ça. Là. T'es comme, hein, t'es sûr? Yo, man, t'es sérieux, là? Peut-être ça, oui, cinq repas, peut-être, essaye ça, tu sais. T'es sûr? Il pensait carrément là, que peut-être que j'avais un de ses athlètes compétitionnés contre lui, j'entraînais, puis j'essayais de le saboter. Là, c'est comme, non, c'est pas mal, tout le monde fait ça, là, tu sais. Mais le gars, il aurait pu gagner un concours provincial, même non testé, étant naturel, il aurait gagné, tu sais, à un repas par jour. Il y en a des freaks, man. Au niveau des macronutriments pendant les préparations, c'est quoi que vous trouvez qui est le plus efficace puis que vous aimez travailler avec? C'est individuel à la personne. Fait que si tu vois que la personne a une bonne sensibilité à l'insuline, tu peux y en garder des carbs. S'il y a une sensibilité à l'insuline à chier, tu sais, c'est. Es-tu capable de les prendre ou pas? T'sais? Fait que si lui, il a pas une bonne sensibilité à l'insuline, ça, il va falloir qu'il sécrète tellement plus d'insuline pour rentrer ça dans les cellules que tout le temps que l'insuline est présente dans le système, il est dans storage mode. Fait qu'il n'est pas en train de brûler rien de gras, là. OK? Fait que c'est tout, c'est très individuel. Fait que. Quelqu'un qui me dit, m'a déjà dit, ah, toi, t'es le no carb guy. Ben, non, ça dépend de toi. Si t'es capable de manger des carbs. J'ai du monde qui ils finissent leur prep avec encore 200 grammes de carbs dans leur diète. Puis il y en a qui ont zéro carb. C'est très individuel. Fait que c'est une question dure à répondre parce qu'il n'y a pas un one-way fits all. Fait que c'est très individuel. Fait que c'est au coach à donner sa bonne. Tu peux faire du trial and error ou tu peux. Il y a certaines méthodes que tu peux savoir un petit peu plus vite. Comment ça sensibilise l'insuline, puis après ça, bien, le reste. T'sais, on s'entend qu'en autant que tu crées un déficit calorique, tu vas perdre du gras, peu importe la maudite diète que tu suis. C'est juste qu'il y a des diètes que tu vas te sentir mieux dessus, puis si tu te sens mieux dessus, il y a des bonnes chances que tu vas la garder plus stricte, puis tu ne tricheras pas. Parce que si la diète n'est pas compatible avec ton système, tu n'aimeras pas ça, tu ne fileras pas bien, puis tu vas tricher, puis si tu triches, tu n'auras pas les résultats. Parce qu'on s'entend, un déficit calorique, ça cote. Préserver la masse musculaire, mais il faut que tu aies un léger déficit calorique. Puis si tu manges légèrement plus que ce que ton coach te dit, tu n'es plus en déficit calorique, tu es en maintien, fait que tu ne progresses plus. Fait que le gars, il rentre dans ton bureau à chaque semaine, pas mal le même pourcentage de gras, pas mal la même masse maigre. Tu dis, ouais, mais as-tu vraiment mangé qu'est-ce que je t'ai dit de manger? Il dit, oui. Tu n'as pas, comme pendant que tu cuisais, là, prendre une bouchée ici, une bouchée là, manger de la gomme à profusion. Ouais, peut-être. OK, mais. Mêler dans un environnement bien contrôlé au maintenant des calories, ah, soudainement, Chris, il cote. Fait que le monde sous-estime leur entraînement, sous-estime qu'est-ce qu'ils mangent, surestime leur entraînement. Fait que c'est très individuel. Quelque chose à ajouter? Ouais, ben, oui, c'est individuel, je suis totalement d'accord. Je pense qu'il y a certaines choses à considérer. Premièrement, est-ce que c'est un go ou une fille? T'sais, c'est niaiseux, mais ça devrait. Les macros vont pas être la même chose, selon moi, pour un gars ou pour une fille. Puis, l'autre gros facteur... Qu'est-ce que tu veux dire, par ça? Ouais. Si la fille, elle rentre dans le bureau, puis elle s'appelle Roger, puis elle parle de même. C'est ça, va pas être la même chose. Mais, tu sais, on en parle depuis tantôt, puis on dit que, tu sais, les stéroïdes, c'est pas le Saint Graal, puis c'est pas ça qui va faire progresser, puis tout. Sauf que ça change quand même beaucoup de choses au niveau de la façon de faire une prep, puis la façon de diéter, puis... d'amener une réduction calorique, selon moi. Puis encore là, ça dépend vraiment de comment le coach travaille. Mais clairement, tu sais, si quelqu'un prend des stéroïdes, bien, tout le niveau garder des gras pour les bénéfices hormonaux, tu peux un peu, pas foutre ça au vidange, mais tu sais, moins le considérer, clairement. Fait que, clairement, quelqu'un qui prend de la testostérone, de l'équipoise, du WIN, peu importe, là, tout le kit, bien, tu vas pouvoir, selon moi, jouer beaucoup plus avec ces lipides rapidement, dans le sens que tu vas pouvoir les descendre plus rapidement.
Moi, personnellement, puis là, je parle moi, personnellement, j'essaie de garder les protéines relativement pareilles tout le long de la prep, sauf si vraiment à la fin, je risque qu'il n'y a plus rien à couper, puis c'est les protéines ou rien. Puis ensuite de ça, bien, les carbs, tu peux les descendre graduellement. Versus une fille, que là, bien, tu sais, pour une fille, normalement, tu ne veux pas qu'elle prenne de produits, fait que tu veux garder au moins un minimum de gras pour sa santé hormonale. Même chose pour un gars qui est naturel, parce que si tu descends trop bas, tu vas avoir plein de problèmes par rapport à ça au niveau du système hormonal. Fait que à ce niveau-là, je pense qu'il y a une différence. Puis je pense qu'il y a une différence même dans le sens que, tu sais, le terme « grow into the show » que les gars ils prennent pour le bodybuilding, bien, c'est que selon moi, une fin de prep, tu ne vas pas nécessairement avoir besoin d'avoir une réduction calorique si élevée que ça si tu modules avec les produits. Tu sais, quelqu'un qui a commencé avec relativement bas de produits puis que tu augmentes vers la fin de ta prep, les stéroïdes, on s'entend, ne font pas perdre de gras, mais te rendent plus anabolique. Fait que, clairement, si ça te rend plus anabolique puis que tu combines avec, exemple, du clambutérol ou quelque chose comme ça, une augmentation de cardio, tu n'as pas nécessairement besoin de venir toucher tes macronutriments rendus là parce que tu laisses d'autres choses autour faire la job pour toi. Encore là, c'est du cas par cas, clairement, mais je peux garantir que n'importe qui se met à prendre du clean puis qu'on augmente les doses, va se mettre à améliorer sa composition corporelle. Encore là, tu vas avoir un point où c'est plus bénéfique dans le sens que si tu prends trop de produits, ben ton corps devient un peu trop toxique, puis là, tu te crées de l'inflammation, puis là, tu as plus un genre de shutdown. Fait que c'est tout le temps de moduler par rapport à ça, selon moi. Fait que il y a clairement une partie de cas par cas, mais il y a une partie que, dans mon cas, en tout cas, ça sonne bien, qui va rester relativement stable pendant la prep, puis après ça, que je vais ajuster par rapport à certains barèmes. Je pense que les carbs pre-contest, c'est surtout un gars qui prend des produits, c'est intéressant de l'avoir pour fueler ton workout, pour fueler les pathways, puis je sais pas si je parle de pathways, je sais pas si j'ai dit des niaiseries, là, mais c'est ça, tu sais, fait que je pense que le off-season devrait servir aussi à augmenter ta sensibilité à l'insuline, puis augmenter tes carbs, la gestion de ceux-ci pour que tu arrives en prep, tu peux avoir quand même un petit, à la fin, un petit peu de carbs, pas que tu arrives, tu sais, on s'est tous déjà entraîné pour 0-0 carbs. Si tu as assez de temps avec le client pour faire ça, c'est l'idéal. Off-season, tu augmentes ta sensibilité à l'insuline pour être capable éventuellement, mais s'il rentre dans son bureau, puis tu sais, il y a une hémoglobine glycée de 0,55, on va peut-être donner un break, ton pancréas un petit peu, puis on va aller autrement, mais tranquillement, il va bâtir sa sensibilité à l'insuline. Puis si tu as assez de temps, il va être capable d'avoir un 40 % de ses calories en carbs. Cool, aussi. Ça va être moins. Je pense que c'est Miyamoto Musashi, le samouraï, un des samouraïs qui disait « You fight like you practice ». Si le gars est off-season, tu vas le savoir comment tu vas le prépper. Parce que tu vas savoir comment il a répondu tout son off-season, fait que tu vas savoir très bien comment il va répondre en prep. Moi, les gars que je venais me voir, là, quand j'en faisais, là, parce que là, ils ne revenaient pas me voir pour ça, là, appeler Larry, appeler Julien, appeler Simon. Ben, appelez pas Simon Texé-là parce qu'il parle pas. Mais ça va être vraiment... Tu sais, les gars, je viens 20 semaines out. Pourquoi 20 semaines? Je veux 8 semaines de try, parce que je te connais pas. Fait qu'en 8 semaines, on fait des tests, puis si j'avoue que je te coupe des calories en carb, puis ça répond pas, ben, c'est pas de même que tu vas répondre. On va faire d'autres choses, tu sais, c'est... Ah, ben non, puis tu sais, je sais pas pour vous, mais tu sais, moi, personnellement, je trouve qu'il y a quelqu'un qui arrive, puis qui me voit, qui vient me voir, puis qui me dit « je veux faire une prep », puis c'est là, je trouve que c'est complètement de la merde à travailler avec cette personne-là, parce que... Justement, au début, c'est un hit or miss. T'sais, peut-être que tu vas faire la bonne affaire et que ça va progresser full bien, mais peut-être que tu vas perdre 4-5 semaines à trouver, crime la personne, comment elle fonctionne. Fait que, pour ceux qui écoutent ça, là, prenez-vous d'avance. Puis 20 semaines, 6 mois, je veux dire, à la limite, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir gagné de la masse musculaire. Là, comme c'est pas la fin du monde, vraiment pas. Là. Le plus longtemps possible, le mieux c'est. Le plus de temps tu vas avoir de temps à travailler avec en off-season, ben, tu vas pouvoir partir ton point de départ en prep, probablement beaucoup plus haut en calories. Il va te rester bien plus de jeu pour ajuster votre temps. On s'entend que les deux premiers 2-3 mois d'entraînement avec un nouveau client, on apprend à le connaître. Là. Tout le monde est différent. Tout le monde a des différents backgrounds, différentes génétiques. Fait que c'est faux de rentrer dans ton bureau après une heure d'évaluation et savoir exactement « Ah, lui, c'est de même, ça même. » Non, on a une bonne idée, on va l'essayer, on va s'assurer, on va espérer que le gars, il suit tes conseils, puis on va voir comment ça va. Puis après ça, on fait du fine-tuning, veux pas, mais si le gars, il arrive, « OK, je fais un concours, ton concours est quand? » Dans 4 mois. T'as pas le temps de refaire grand-chose, là. À moins que tu sois déjà hot en partant, ouais, là. Comme j'ai dit, ça se peut que tu tombes dessus pile et que ça soit écœurant. Ça se peut que, oh, ça n'a pas
marché comme je pensais. On va essayer d'autres choses, mais oups, le coco s'en vient. Ça, les seuls temps que ça, c'est intéressant, tu sais, que je trouvais que c'était pertinent, c'est quand il arrive, exemple, OK, j'étais avec mon coach, mais mon coach, il veut pas trop me finir, mais gars, j'ai tous les plans, j'ai tout suivi, j'ai tout les fait, OK, puis t'as le nom du gars, oui. Si je peux l'appeler, puis OK, je trouve pas que c'est un jambon, c'est correct, on va le faire. Mais ça, c'est super cool. Tu sais, ça m'arrivait jusqu'à une couple d'années de le dire à des coachs, mais gars, je vais le faire jusqu'à 20, mais à 20, je vais te le donner avec toutes les feuilles à bas des fêtes, toutes les diètes, tout ce que j'ai vu. Fait que ça va être super facile pour toi de le finir le prépé. Tu l'as fait, l'off-season, puis la match, je te le donne. Tu sais, c'est super facile. Au niveau de l'entraînement, c'est quoi, comment vous travaillez avec les athlètes? Moi, personnellement, ma croyance, là, c'est ce qui a bâti du muscle va t'aider à le garder. Fait que je change pas vraiment le style d'entraînement. T'sais, rendu là, on s'entend qu'en fin de prep, tu vas perdre de la force. Fait que t'sais, rendu là, fight pour essayer de garder tes charges jusqu'à une limite où c'est pas dangereux pour des blessures. T'sais, si tu as benché tout ton off-season, rendu à 2 weeks out, tu peux peut-être le changer, là, ton bench press. Là. Mais dans l'ensemble, personnellement, j'aime ça garder le même style de training parce que, en même temps, je veux dire, ça te permet de continuer à mesurer ta progression. Là. Est-ce que tu es en train de perdre la force en fou ou tu es en train de maintenir ou crime? Est-ce que tu progresses? Puis ça te donne des grosses indications en même temps sur, ben, est-ce que c'est le temps d'un refeed? Est-ce que non? Parce que justement, tu as des paramètres que tu as déjà travaillé avec au niveau de ton entraînement. Fait que moi, personnellement, c'est comme ça que je le travaille. C'est bon que tu as mentionné les refeeds. On n'a pas vraiment parlé d'un macro, là, mais on pourrait peut-être en jaser un peu durant le prep. Je sais pas ce que vous autres vous en pensez personnellement. Moi, personnellement, durant mes preps, j'ai toujours eu soit des refeeds ou des cheat meals. On a Instagram, on a remarqué. Ouais, pour vrai. Je savais pas. Okay. C'était belle ta photo de ton déjeuner la semaine passée. Mais, ouais, est-ce que vous autres, vous trouvez ça efficace, personnellement, d'avoir des refeeds? Moi, je trouve que oui, personnellement. Moi, je veux savoir ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il faut juste pas que le client pense que c'est un acquis. Puis que ça va être selon le besoin, justement. C'est pas une récompense, là, non? Non, exactement. T'sais, dans mon cas, justement, comme je l'explique, c'est que, tu sais, je veux dire, tu as l'air flat, je m'en fous si tu continues à progresser au gym, tu sais. Fait que pour moi, c'est vraiment, ben oui, comment tu te sens? Est-ce que tu as encore une pompe musculaire? Oui, non. Est-ce que ta force, elle progresse ou elle vient de dropper en malade? Tu sais, c'est tous des indicatifs comme ça. Est-ce que tu perds du poids encore ou pas pantoute? Ou, tu sais, est-ce que le look s'en va vers la bonne direction ou pas? Est-ce que tu es fucking encore fat ou pas? Tu sais, c'est toutes des choses qui vont me faire varier la fréquence. Cheat, je te dirais que j'en laisse de moins en moins, à moins que le monde ait vraiment une génétique de feu. Ou si c'est un cheat, je vais dire carrément à personne quoi manger, parce que je me rends compte qu'en prep, souvent, quand le monde sont en fin de prep puis qu'ils ont faim, puis que tu te dis, hey, un cheat meal, là, ils prennent l'équivalent de 2 jours de bouffe. Là, t'sais. Fait que t'sais, ça va être soit un refeed clean ou un refeed moins clean, mais qui va être contrôlé quand même, que je vais te dire exactement quoi bouffer dans ton resto de burger préféré ou de choses comme ça. Là. Pis, la fréquence varie vraiment. Oui, c'est cas. Ça. Mais tu sais, exact. Souvent, la personne va dire, ouais, mais tu sais, je me sens flat, je me sens. Mais ça va être normal aussi durant le prep, à un moment donné, que tu vas te sentir flat, ouais, c'est normal. C'est ça. Tu vas te regarder dans le miroir, ouais. Tu vas avoir l'impression. J'ai faim, que tu as un déficit calorique, ouais, c'est un peu normal. Mais soit, ouais. À la limite, sois content d'avoir faim, ça veut dire que ton métabolisme il roule encore. Il y a quelque chose qui marche. Ouais. Mais tu sais, ça veut pas dire nécessairement que tu as besoin d'un. Il rentre dans son bureau et il dit, je pense que j'aurais besoin d'un cheat, je me sens flat. Ouais, mais... C'est parce qu'il a vu Juan Morrell manger, ouais, 10 000 calories dans la journée et il gâte, c'est carrément ridicule. Là. Exact. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Là, si tu fais l'average de tes calories sur 7 jours, puis tu étais en déficit calorique toute la semaine, puis ta fin de semaine, tu as fait 10 000 calories, fais l'average de cette semaine, tu n'étais plus en déficit calorique. Non, là. Ton cheat meal de 10 000 calories ou whatever, ton cheat day, il vient de te scraper 5 jours. Il vient de scraper toute la graisse. Là, ben, fait ça, que non, tu n'as pas besoin d'une journée à 10 000 calories. Puis si quelqu'un le fait, puis ça marche, puis OK, une génétique de feu, ou ouais, il y a bien des produits qui vont l'aider, ou whatever. Ben, c'est plus un break souvent mental. T'sais, c'est comme, OK, gars, je te fais manger quelque chose qui n'est pas sur ton plan là, pour décrocher un peu. Puis si mentalement, ça peut te garder on track, great. Mais moi, je lui dis, écoute, mange à 80 % de ta faim. Okay? Je ne veux pas que tu manges un repas jusqu'à temps que je suis plus capable. Non, là, tu étais trop. Mange à 80 % de ta faim. Fait que tu t'assis, tu manges. C'est sûr que ton cul, il se lève de la chaise, ton cheat meal, il est fini. Fait que pas d'affaire de buffet. C'est pas toute la soirée, non. Tu dois t'en chercher, ça. OK? Fait que faut que ça fait dans une assiette. Tu as 1 heure pour manger max, OK? Puis 80 % full. Vas-y avec ça, tu sais. C'est pas tout le monde là, qui a besoin de refeed ou de cheat meal. Puis tu sais, des fois, tu peux attendre peut-être... Tu prep 12 semaines, tu peux attendre les 4 dernières semaines que le métabolisme, là, tu as besoin d'un spike de calories. Tant que tu as des résultats, great. Quand tu vois que le gars est en train de...
Tu vois que tu es en train de le perdre, là, parce que c'est... Ouais, c'est là que ça va être efficace. Ça va le rendre heureux un peu, puis ça va le garder en track. OK, great. Ou tu sais, à l'inverse, tu sais, un peu comme tu dis, tu sais, des refeeds ou des cheat meals, justement, en fin de prep, quand là, on dirait que le métabolisme se met à rouler trop vite, puis que là, c'est comme la personne est quasiment prête, mais là, que si elle continue à diéter comme elle diète, ben on perd du muscle, tu sais. Fait qu'il faut que tu bombes ses calories à chaque 2-3 jours juste pour... essayer de garder ça de même. En général, en déficit, ton métabolisme n'est pas réveillé. Non, mais... On pense ça, on dit ça dans le temps, mais tu vois, tout baisse en prep, là. Ouais, mais tu vois, moi, ça m'est arrivé, tu sais, avec une fille, justement, que si je ne donnais pas des spikes caloriques à chaque 3-4 jours, ben son poids, il dropait, mais beaucoup trop, tu sais. Est-ce que c'est la majorité des personnes? Clairement pas, tu sais, clairement pas. Puis encore là, tu sais, est-ce que c'est parce qu'à la fin, finalement... Hey, le show est proche, fait que je me donne encore plus sur le cardio, puis j'augmente l'intensité de 15% sans m'en rendre compte. Peut-être aussi, tu sais. Mais je pense que, justement, tu sais, les refeeds, comme on disait, tu sais, faut pas que ça soit des actes. Faut pas que la personne le prenne pour acquis. Faut pas que la personne le demande non plus, là. Tu sais, c'est pas, hey, tu me le demandes, puis je te le donne. Mais je pense que si tu demandes ça à ton coach, il y a plus de chances qu'il te dise non que oui, genre. Exactement. À moins qu'il veut juste plus t'entendre parler, tu sais. Fait que, c'est ça. Ça fait penser beaucoup, parce que les cheats avant, c'était très populaire. Puis c'est pour ça que je pense que mon article le plus populaire de l'année passée, c'est mon article sur les cheats. T'sais, j'ai eu quelque chose comme 300 partages. T'sais, même Thibodeau m'a envoyé un message, il dit « Wow, ça c'était pour vrai. » En français, 300 partages, c'est le sujet. T'sais, le monde ne comprenne pas que c'est pas l'apport calorique non plus. Là. C'est toute la réponse immunitaire en arrière de ça. Là. Hey, des burgers et des frites, là. Oh, c'est des calories. Mange les mêmes calories en riz et en patates. Là. Tu vas voir que ça fera pas la même affaire, je te le dis. T'sais, le système, là, ça se peut que... Surtout les filles qui ont tendance à répondre super mal à cheater parce qu'ils ont moins de masse musculaire, le système immunitaire, le système hormonal peut être plus fragile. 2 semaines, pas de progrès parce qu'ils ont triché au lieu de feeder. Il fallait les feeder, il fallait monter les calories. Oui, mais la manière que tu l'as faite, c'était niaiseux. On le voyait quand à un moment donné, c'était rendu populaire. Oui, il y a des gars qui vont pouvoir manger de la cochonnerie. Puis toi, tu le fais un peu, mais pas tout le temps non plus. Mais tu le tolères quand même bien. Ton système vient pas tout croche chaque fois que tu manges un morceau de gâteau au fromage. Mais son corps est habitué, vu qu'il en mange à chaque semaine. Mais deux c'est qu'il y a toujours une, y a toujours une zone tampon là-dedans. T'sais, c'est de voir, c'est être capable de l'évaluer aussi. Oui. T'sais, si tu dis, ma shape était meilleure, oui, de face. T'sais, ouais, de même, tu étais meilleur. Dans le miroir, c'est ça. Tandis que de dos, là, il me semble que ton site, il ben, est haut, pas mal. Ouais, ben, c'est ça. Ouais. C'est ça que ça a fait un gâteau au fromage et un tarte aux pacanes hier. Fait que, tu sais, c'est. C'est un peu un sujet qui est maintenant plus écouté, qui est moins pire. Mais je pense qu'avec les Insta Famous, qu'eux autres ont des juges des montées génétiques, là, souvent les effets de au macro, puis ça rentre dans tes affaires, ça devient que c'est encore un problème. Ouais. Mm. Mais c'est différent pour tout le monde. Il y a des personnes, tu vas faire un refeed clean, tu n'auras pas tant que ça de résultats. Comparé à un cheat meal, tu vas avoir plus de résultats avec, mais c'est vraiment pas pareil pour tout le monde. Un cheat meal, il y a eu plus de sodium dedans, fait qu'il va une meilleure pompe le lendemain. Nous aussi. Ouais. Ouais. Ça, souvent, le monde sont comme moi, je suis plus plein. Rendement, c'est mais sûr c'est ça, c'est le sodium. C'est si tu avais fait les mêmes macros en plus. Avec une tonne de sel, tu auras le même résultat. Ou l'inflammation aussi, tu sais. Mais ça marche. Je veux dire, d'un sens, c'est de l'inflammation. Oui, mais l'inflammation, c'est un terme très large. Oui, il va quelque chose va se passer. Oui, il y a de l'eau extracellulaire puis intracellulaire. Fait que quand t'es rendu, t'es pas trop rip encore, tu vas pas la différence. Fais cheat meal à un gars 2 semaines out, fais-le normal. Ça se peut que tu vois des places que. Bon, il y a quelque chose qui marche pas, là. Il y a des places où tu avais. Tu sais, le monde, il y a tout du gras dans le dos. Le devant, hein, est bon, t'arrêtes tes plis, il y a de la misère. Eux autres, ils ont tout bumpé. Tu vas comme, t'as pas pris de gras, mais ton gras, lui, il a pas aimé ça. Il est pas content la prochaine semaine. Mais c'est toi, Jacob, avec les filles. Qui m'avait parlé de faire des refeeds, mais plus en gras. Ça se peut. Tu fais ça encore ça ou. Ben, je me rappelle à un moment donné, tu m'avais dit qu'avec des bikinis, des fois, ce que tu essayais, au lieu de donner un ouais, bump ouais, carb, ça fait quand même un bout. Ouais, c'est ça que tu donnais plus de fat. Ouais, mais... pour aussi. Quand que, ici, au niveau du système hormonal, ça s'en va du croche, puis d'essayer de bumper pas à extrême, là, pas que. C'est quelque chose de moins commun, mais tu sais. De ce que tu m'avais dit, de ce que je me rappelle, ça peut marcher super bien aussi. Faut juste pas que la fille tombe dans le beurre de peanuts. Ouais, c'est ça. Parce que là, le pot, il va passer. Il passe vite, c'est ça. Quand tu dis un tablespoon. Hey, là, c'est terrible, là, le beurre de peanuts. C'est une cuillère à table, ça tient en équilibre. Ouais, c'est une montagne, hein, c'est ça. Mais ça, puis ça revient à individualiser. T'sais, si tu vois que la fille, elle a plus ses règles, puis il est comme 8 semaines out, puis qu'elle système, tu sais, qu'elle se sent tout croche, puis que côté calories, ça devrait pas arriver, mais peut-être qu'elle mette un peu de gras, ben, puis le système hormonal va stimuler.
pour que ça en parle. C'est complexe, mais tu sais, des fois, justement, là, c'est juste de voir de... qu'est-ce qui se fait pas, qu'est-ce qui se fait pas là-dedans, tu sais, qu'est-ce qui n'a pas l'air à marcher. J'ai l'impression, c'est ce que j'ai remarqué, le pire, c'est que c'est plus en faisant Monsieur Madame tout le monde qu'en faisant des prep que je me suis rendu compte de ça, les femmes répondent mieux au carb que les hommes. T'sais, au niveau de, je te dirais qu'au niveau en général, ils vont répondre mieux à des diètes carb-protéines, avec moins de protéines, que les hommes, que les autres, tu peux bumper protéines, souvent, puis tu vas avoir le résultat. Tant qu'il y a de la protéine, garder la masse musculaire, tu as bien ce que tu veux, puis si tout est beau, ça va être correct. Tu sais, au niveau de la shape, je parle pas au niveau de tes chevilles, mais c'est tout le temps ça un peu. Là. Que, oui, il y a du monde qui a de la protéine, OK, ah, là, ça, j'aime pas ça. Oui, OK, ça, c'est correct. Mais je parle de règle générale. C'est un peu ce qu'on remarquait, que les femmes répondent mieux. Les femmes, les diètes avec low carb, là, trop longtemps, le système hormonal, il a tendance à pas triper là-dessus bien, bien. Tu arrives la première de la prep de concours, la fille elle se fait poser des rallonges parce qu'elle a plus de cheveux. C'était comme, peut-être que c'est un problème. C'est l'industrie de, genre, de compétition bikini et ces trucs-là. Il y a comme plein d'affaires qui arrivent tout le temps, genre perdre tes règles, puis genre les pertes de cheveux, puis ils se parlent de ça. Tout le monde, ça fait ça. Fait que là, ils se pensent que c'est normal, mais ouais, ça devrait pas. Pour tout le monde, c'est normal. C'est ça. Tu dois être en chef, puis tu menstrues depuis semaine 12. Ah ouais? Ah. Non, il rentre au bureau et dit, hey, c'est-tu normal? J'ai encore mes règles. Oui, c'est ça. Ça les angoisse, ça. C'est mieux de même. C'est bon. Ouais, mais... Côté produit, on a parlé pas mal, mais le sujet qu'on n'a pas abordé, c'est les off-cycle, les gros, c'est bien en mode ces temps-ci, ce qu'on voit de juste comme Blast and Pro. Vous en pensez quoi? Là, quand moi j'ai commencé à m'entraîner, il n'y a personne qui blastait puis qui cruisait. Là, c'était... Tu faisais un cycle de 12 semaines, tu arrêtais 12 semaines, tu recommençais, tu laissais le temps de ton système hormonal de revenir à la normale avant de repenser à en faire un autre. Idéalement, tu essaies de faire ça le plus longtemps possible. À un moment donné, quand tu vois que ça ne remonte plus, puis tu attends plusieurs mois, puis tu fais des protocoles de PCT ou whatever, puis ça ne remonte plus, bien là, à un moment donné, tu n'as plus le choix. Mais attends d'avoir plus le choix, si ton système hormonal est capable de remonter tout seul, laisse-les revenir tout seul, tu sais. Fais les choses comme il faut, à place de tout rusher puis dire, bon, ben j'ai 21 ans, puis je blast and cruise. Pourquoi? Ah, parce que quand je suis off, je perds trop de masse musculaire, puis tout. Bien, faut que tu sois fort dans le gym, mais faut que tu sois aussi fort mentalement pour dire, gars, je vais faire un off. Oui, je vais être moins fort. Oui, je vais être moins gros. Oui, mais je suis capable. Je m'attends à ça. C'est normal. Great. Fait que tu fais des cycles normales le plus longtemps que tu peux, puis à un moment donné, quand c'est shutdown. Mais idéalement, tu peux être shutdown après 40 ans. T'sais? Fait qu'idéalement, mais ça va aussi dépendant de, t'sais, le gars, il fait des compétitions, il est sérieux là-dedans, ça va aller, bon, ben je fais un concours, prochain concours, il est là, combien de temps j'ai-tu du temps d'être off? Souvent, t'as comme pas le choix. Le gars, il est dedans, il est arrivé deuxième au national, puis il est up next, peut-être le premier l'année prochaine, ou dans 6 mois, il y a un autre pro qualifier. T'as-tu le temps? Fait que si t'as pas le temps d'être off, on continue un peu, puis on va s'assurer qu'après ton concours, par exemple, que t'as un petit time off, puis que tu laisses tout ton système hormonal revenir, mais souvent, c'est que ça arrive pas. Les gars, ils blast cruise, à un moment donné, ah, ben fuck, j'ai des problèmes à vie. Ah, c'est plate. T'essayes d'éviter ça le plus possible. Mais encore là, c'est différent d'un pro qui compétitionne puis qui veut en faire une carrière que le gars qui se prépare pour pro gym. T'sais? Si t'es rendu au régional puis provincial puis tu blast and cruise puis t'es encore dans ta vingtaine, fuck, man. T'sais, t'as peut-être mal été conseillé ou t'es pas capable de prendre un off parce que t'es Il y en a que, s'ils sont pas on, ils viennent juste pas au gym. Ils disent, tant qu'aller au gym, puis perdre du muscle, ou bien rester chez nous, tant qu'à y être. Fait qu'ils s'entraînent juste quand ils sont on. All right, mais... Idéalement, t'es supposé aimer ça, t'entraîner, puis aller au gym, puis pousser de la fonte, puis, tu sais, même si tu progresses pas, juste le fait que t'es dans le gym, t'as une pompe, t'es supposé être content, hein? Puis oui, tu vas être moins fort, moins gros, mais Chris, t'entraînes tes muscles, t'entraînes ton ego, là. Tu sais, personnellement, en bodybuilding, c'est vrai que crisser de comment tu lèves. Parce que c'est pas le but. Moi, j'ai jamais rentré dans ce sport-là puis un jour, je vais squatter 500 livres. Ça m'a jamais intéressé. Jamais. J'ai jamais squatté 500 livres non plus, mais c'était pas ça mon but. J'ai quand même eu des grosses cuisses, puis tu sais, t'as du powerlifting, t'as du bodybuilding, c'est pas la même affaire, c'est pas le même entraînement. Puis fait, en autant que t'amènes ton set épuisement total, good, t'as fait la job, l'hypertrophie va être là, mais c'est pas que, ah, si tu ne penches pas 500 livres, tu ne tourneras pas pro. C'est encore là, ça.
Puis au point de vue là, hormonal, qu'est-ce qui se passe de différent? Mettons, tu roules tout le temps, mettons, 2 ans straight, t'arrêtes jamais, ou tu fais des off. Tu sais, on parle souvent de désensibilisation des récepteurs. C'est-tu vraiment vrai? Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est quand même, tu sais, il n'y a pas une full science sur ça. Là. C'est quand même plate quand même. Là, parce que manque d'études, parce que, tu sais, il n'y a pas de... Weeder n'a pas commandité les études. Il s'en fout un peu. Mais ce qu'on peut voir, c'est plus... Les stéroïdes en soi peuvent être problématiques. Tu sais, le feedback loop au niveau du cerveau, à la longue, le cerveau peut juste comme... Il y en a trop. Là. Ça fait un an qu'il n'y a pas eu de... Rien qui dit, OK, fais ça, j'en ai pas. OK, ça marche plus. Ça repart plus. On a vu ça souvent. On le voit quand même souvent dans la communauté du bodybuilding. Les gars, en 27 ans, passent 6 mois avec du PCT, ils reviennent, puis la LH est à. Genre, je suis pas sûr que j'existe. Tu sais, fait que c'est comme, OK, ça marche pas, clairement. Souvent, ce que je trouvais plus problématique, c'était quand il restait sur d'autres produits avec. Genre, quand il restait, c'est Arimidex off-season, Clomid off-season, avec du stock. OK, là, tu fais tout pour être malade. Parce qu'en plus de jamais arrêter, tu ne laisses même pas de chance à un effet secondaire ou à un processus normal d'arriver. Fait que tu bloques toutes tes chances de te rendre compte si c'est un problème ou pas. Tu sais, le gars qui roule sur l'Arimidex, là, il peut bloquer le fait de faire du gras. Fait qu'il ne se rendra jamais compte que sa diète, c'est de la merde parce qu'il n'engraissera pas ou beaucoup moins. Mais c'est parce que... Je vais te l'envoyer. Si vous googlez Tamoxifen and Cardiovascular Disease, là, vous allez vous rendre compte qu'il y a une augmentation drastique chez les femmes, mettons, qui prennent du tamoxifène, de maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Parce qu'on bloque le métabolisme d'estrogène. Puis ça, ça va nuire sur le niveau de la sensibilité à l'insuline, ça va augmenter les risques d'arrêt cardiaque puis de plaques d'athérosclérose. Fait que tu sais, les gars qui disent « Ouais, moi, je roule toujours de l'Arimidex parce que j'aromatise. » Il y a un problème si tu aromatises. Le problème, c'est pas un manque d'Arimidex. C'est une déficience d'Arimidex. C'est risque à prise de sang. Arimidex, trop bas. Non, mais tu sais, ça, c'est niaiseux. Beaucoup plus que de prendre des stéroïdes, je pense. Puis de cruiser avec des affaires qui sont pas des vraies hormones. Tu sais, de cruiser sur la test, OK, ton corps sait quoi faire avec la test, là, il va se gérer. Cruiser sur le train, t'es juste imbécile. Tu sais, je veux dire, on s'entend, là. T'es juste, t'as pas compris le principe, là. T'es pas un veau. Le corps s'adapte aussi, tu sais. Si t'es pour jamais être off, t'as pas le choix d'augmenter tes doses à un moment donné pour avoir un effet, parce que ton corps s'adapte. Idéalement, tu fais une dose, 12 semaines, whatever it is, t'arrêtes. Tu peux remonter sa même dose pour avoir encore des résultats. Mais sinon, c'est linéaire. Ton corps va s'adapter à ce que tu lui donnes. À un moment donné, ça devient normal à ton corps d'avoir ça. Puis, si tu veux progresser, bien, tu montes. Là, tu es rendu 5 grammes par semaine. Tabarnak. OK? Que tu es un human pincushion, là, c'est pas le fun. Mais selon moi, ça dépend de l'âge aussi. Là. Idéalement, quelqu'un qui commence plus jeune, il devrait, avant de décider de penser même faire du blast and cruise, premièrement, c'est ça, comme tu as mentionné, t'es-tu sérieux puis tu veux-tu vraiment t'en aller quelque part dans ce sport-là? Parce que c'est un choix que, après ça, c'est lifetime, là, ta décision. Ça, tu sois prêt à, si tu fais ça, tu vas faire ça toute ta vie. Là, fait que cruise, hein? Selon moi, la meilleure façon, c'est de faire on and off le plus longtemps que tu es capable de faire, surtout si tu es jeune. Ça ferait aucun sens de faire du blast and cruise. Mais si à un moment donné, ton système hormonal répond plus ou veut plus repartir optimalement. Quand tu plus le choix, tu plus le choix. Tu es rendu là. Mais donne-toi la chance de te rendre là. Si t'es capable de remonter tout seul, great. Ça va un peu avec ce que tu viens de dire, dans le fond, puis un peu avec ce qu'on a dit plus tôt, tu sais, quand on demandait après combien de temps commencer les stéroïdes. Selon moi, tu sais, pour Blast and Cruise, c'est un peu la même chose. Tu sais, tu veux une certaine maturité à l'intérieur de tes cycles, si on veut. Puis une maturité aussi en termes de prise de décision, justement. Tu sais, si ça fait 3-4 ans que t'es on and off, mettons, mais que t'as 22 ans, 23 ans, je suis pas sûr que tu es encore nécessairement assez mature pour décider « OK, je suis game de devoir me shooter une fois par semaine à vie. » Tu sais, c'est une décision à vie, justement, tu sais, comme tu disais. Fait que, tu sais, 22-23 ans, là, c'est facile de faire des niaiseries puis de pas penser à ce que ça va nous faire à 50-55 ans. Tu as l'autre côté de la médaille, tu sais, que tu regardes les États-Unis, que crème en haut de 40 ans, le 3/4 de la population devrait être sur TRT, puis... Parce que, naturellement, ton taux de testostérone diminue. Je pense que si c'était quelque chose qui était instauré au Québec puis au Canada, tu aurais moins de monde dépressif, moins d'hommes dépressifs, moins de problèmes, parce que tu as tout l'envers de la médaille de plein de problèmes reliés à un niveau de testostérone qui est trop bas, que plein d'hommes qui n'ont jamais pris de stéroïdes ont. Mais c'est pas des décisions que tu es nécessairement apte à prendre à 22-23 ans. T'sais. Fait que, pour moi, c'est plus, fais des cycles on-off. Puis
attends d'en avoir au moins un où tu files comme de la vraie marde puis que tu es capable de recover quand même. Puis après, prends la décision de OK, est-ce que je blast and cruise ou est-ce que j'arrête ça? Tu sais, rendu là, c'est plus ça ton choix. Parce que si tu continues à faire du on-off, je veux dire, tu vas juste plus recover comme il faut. Mais on s'entend que tu sais, la différence de récupération, si on veut, entre un premier cycle et un troisième cycle n'est pas la même. Tu sais, plus t'en fais, plus c'est dur de récupérer. Plus ton cycle est long, plus ton cycle est gros, blablabla. Fait que, tu sais, je pense que ça en prend une coupe avant, mais ça prend aussi justement une bonne prise de décision puis une bonne capacité à prendre des décisions comme ça, tu sais. Puis après, ben c'est de voir aussi par rapport à tes croyances, tu sais, est-ce que tu penses que le fait d'en prendre à vie va t'empêcher d'avoir des enfants, oui ou non, tu sais, est-ce que ça empêche nécessairement? Moi, personnellement, je pense pas. Je veux dire, il y a assez de bodybuilders professionnels qui ont des kids puis qui ont clairement jamais arrêté pour me donner l'impression que ça rend pas infertile à 100%. Est-ce que ça diminue tes chances? Possiblement. Fait que on t'essaye plus. C'est ça, tu le fais plus souvent, tu n'as pas le choix. Mais tu sais, encore là, est-ce qu'à 22-23 ans, tu es apte à prendre la décision de « OK, je sais que ça ne me dérangera pas si potentiellement je nuis à mes chances d'avoir des enfants. » Je suis pas sûr, tu sais, parce qu'à 22 ans, c'est pas nécessairement tout le monde qui en veut, mais ça se peut qu'à 22 ans, tu n'en voulais pas, mais à 30 ans, Chris, tu as rencontré une fille, puis elle en veut, puis là, ben tu regrettes en salle parce que finalement, le bodybuilding, tu as arrêté ça à 25 ans, puis tu es encore lisse maintenant, mais tu es pogné avec « Hey, il faut que je continue », tu sais. Fait que c'est pas des conséquences, mais tu sais, de prendre une décision comme ça, c'est que ça va te suivre toute ta vie après, puis c'est de savoir est-ce que ça me dérange, tu sais. Encore là, je veux dire, il y a du monde qui ont des problèmes de diabète puis qu'il faut qu'ils se shootent de l'insuline à chaque jour puis ils vivent super bien avec ça. Fait que, tu sais, je pense pas que là, une fois semaine, c'est nécessairement un gros moins d'envie, là, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a le goût quand même, tu sais. Je pense que tu parles de cet âge-là, là, pour, je pense qu'il y a une partie du cerveau qui finit de développer à comme 22, 23, 24 ans. Non, ouais, qu'il y a des parties plus cognitives spécifiques, tu sais, c'est un peu l'aspect que moi, j'aime mieux aborder que les... Fait que ce côté-là, c'est l'aspect addictif, très addictif des anabolisants, là, genre, puis le monde, non, hé, hey, Chris, va lire un peu, tu vas voir que, hé, hey, c'est intense la testostérone dans le cerveau, là. Tu sais, plus le récepteur androgène est stimulé, plus le cerveau, lui, il capote. Déjà, il y a du monde qui devrait juste pas en prendre parce qu'ils ont déjà des problèmes. Après ça, tu le vois relativement. Là, j'avais posté un article là-dessus. Tu verrais le nombre d'études. J'ai lu rapport avec ça là-dessus. Je fais comme, ouf, les risques de schizophrénie puis de trucs de même. Là, tu fais, hey, c'est accentué pas mal. Là. Fait que, OK, t'as-tu évalué comme du monde tes chances là, dans ta famille? As-tu comme 3-4 bipolaires? Ouais? Peut-être une idée que t'essayes pas ça. Ouais, c'est ça. C'est que ça amplifie ce que t'es déjà, tu sais, ben, ce que tu peux être. Là, fait que... ouais, comme Charles Pelquin disait, tu sais, ta génétique, c'est comme un fusil, puis ton environnement, c'est le trigger. Là, fait que si ta génétique à la base pour avoir tous ces problèmes-là, ben, c'est pas une bonne idée. C'est Palumbo qui disait steroids won't make you into an asshole, they'll make you into a bigger asshole. C'est vrai, c'est ça. Exact. Good, puis on avait des questions du public. T'as-tu mon cellulaire? Juste pour rajouter un peu, d'autres dans le temps, v'là 30 ans, on avait plus peur que maintenant parce qu'on avait tout. Les scare tactics, là, à cette heure, on se rend compte, il n'y a pas un paquet de bodybuilders qui crèvent à tous les jours, là, puis t'as des gars comme Rich Piana qui disent « Oh, fais ci, voilà, là, puis il paraît comme c'est bien anodin, mais il est où Rich en ce moment-là? » Plate à dire, mais, tu sais, il y a, à cause de YouTube, les réseaux sociaux, il y a comme parti une vague, « Oh, c'est pas grave, puis on est capable d'en prendre, puis tout. » Oui, c'est pas mal moins dangereux que ce qu'on pensait là, ben, des années. Okay? Oui, tu crèveras pas du jour au lendemain, mais il faut faire ça sensiblement, puis il faut quand même t'aies un petit peu peur, là, parce que tu manipules les hormones, là, tu changes ta biochimie. Ben, c'est pas n'importe quoi. Là, fait que faut faire attention. Puis à cette heure, c'est que si tu as un gars qui a des problèmes quand il fait des cycles, ben, souvent, il n'en parlera pas. Il va en parler à son docteur, mais il n'ira pas publiquement dire « Hey, je bande plus, si ça. » Non, ces affaires, tu vas garder pour toi-même. Fait qu'on n'entend pas parler, tu sais. Fait que ça a comme été trop comme ouvert, puis « Ah, c'est plus grave, c'est pas grave. » C'est banalisé. Banalisé. C'est très banalisé. Banalisé. Ils ne comprennent pas, parce que Viagra cherche sûrement du monde à commanditer. Puis tu dis en parler à leur docteur, là. Mais tu sais, même ça, je veux dire, il y en a bien qui n'en parleront pas à leur docteur. Puis est-ce que c'est nécessairement la faute du monde? Non, parce que il y a bien des docteurs qui ont encore les anciennes croyances, justement, puis qui vont juger ça
big time. Tu sais, que tu arrives dans le bureau d'un doc, tu dis que tu prends des stéroïdes, il va te juger, puis il va te dire que tu es une merde, puis que tu devrais arrêter. Tu arrives, puis tu dis que tu prends de l'héroïne, puis il va te prescrire de la méthadone pour que tu débarques. T'sais. Fait que, tu sais, tu as aussi ça qui aide pas, clairement. Mais, tu sais, je suis totalement d'accord avec toi, là, que il y a des risques associés à ça. Puis, justement, comme UH Piana, tu sais, je pense que. Ce que je dis souvent, tu sais, c'est un peu pick your poison, là, dans le fond, tu sais, que, ben, si tu veux faire des stéroïdes, cool, mais comme, va pas te faire une ligne de poudre le soir non plus, tu sais, parce que là, tu augmentes tes risques qu'il y ait une complication de beaucoup, tu sais, ou, tu sais, essaye de garder le reste de tes habitudes de vie le plus saine possible, là, tu sais. Très bien dit. Ouais, puis aussi, tu sais, si tu veux faire des stéroïdes, selon moi aussi, c'est bien que tu as mentionné là, de voir un docteur, mais... de faire un bilan médical, une prise de sang une à deux fois par année ou même plus, ben c'est quelque chose que, selon moi, il est super important aussi d'avoir un suivi de ce côté-là. Si un suivi avec un docteur qui va être ouvert. Parce que oui, exact. C'est vrai que la plupart des docteurs, tu vas leur dire ça, ils vont dire « Ah, tu vas mourir demain matin » ou « Tu fais pas une prise de sang » puis ils vont voir ton ST lever un petit affaire. « Hey, tabarnouche! » C'est pas si grave que ça, mais... C'est... Qu'est-ce qui est vraiment grave dans la prise de sang? Là? Mon niveau de testo, je le sais qu'il va être trop haut. C'est le reste que je veux savoir. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça qu'on a vu. Tu te rappelles-tu, il y avait un gars au gym, Manning, qui était venu me voir et m'avait dit « Ah, j'ai vu mon doc à matin. » Puis, il capotait un peu mon masse-côte à 1100. Créatine, kinase. Il dit « Ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai fait un train de jambes la veille puis le gars pesait 300. » Fait que le doc, il paniquait au téléphone. Là. « Tes reins en train de lâcher! » Le gars connaissait ça un peu. Il dit « T'as-tu checké mon GFR? » »« Oui. Es-tu bon? » Oui. Que je m'appelle. Tu sais, ben, bonne journée. Clic. J'étais, wow, 1100. Ouais, mais c'est dégradation musculaire. Tu sais, c'est. Fait que c'est ça. Les docs, ils avaient une meilleure réaction un petit peu. Un petit peu. J'en ai eu moins, genre, j'en ai eu entendu moins de ça que les CK puis des ALT. Ouais, c'était un petit peu plus haut. Tu vois, les docs, tu fais-tu du sport? Ouais, tu es en train de. Ok, ouais, c'est beau. Tu sais, pas grave. On est prêt pour les questions? On va faire ça un peu plus en rafale. Modèle insuline versus modèle. Sico, je sais même pas c'est quoi Sico. Calorie in, calorie out. Non, c'est la peinture. C'est ça. OK. Ben, je pense qu'on a parlé pas mal. Je pense que c'est les deux ensemble. Ben, c'est ça. Le calorie in, calorie out fonctionne pas mal tout le temps, mais c'est un modèle hautement théorique. Le défaut, c'est qu'il faut que ton expérience soit contrôlée 100% pour que le modèle s'applique, ce qui est problématique parce qu'on disait les drogues le changent. L'expérience de la personne le change, puis sa manière de suivre ton plan le change. Fait que techniquement, si ta personne n'a pas de problème puis qu'elle suit tout, ça marche, calorie in, calorie out. Encore là, ça marche chez les athlètes de bodybuilding parce qu'ils vont t'écouter, s'ils t'écoutent à 100%, ils vont vraiment t'écouter à 100%. T'sais? Top 5 suppléments priorisés, santé générale, digestive, performance. Les basic five, bon, tu veux une bonne multivitamine, quasiment tout le monde est déficient en magnésium, vitamine D3, du oméga 3, pas ça. Ben du monde va avoir besoin d'un zinc, peut-être quelque chose de digéré mieux, monter ton HCL. Ça, c'est la base. Après ça, ben, ça va dépendre de ton budget. Ça va dépendre aussi de ces produits que tu fais, justement, si tu prends des produits, ouais. Si tu es en prep, ces affaires-là, parce que là, clairement, tu viens affecter tes organes beaucoup, beaucoup plus. Fait que, c'est vraiment du cas par cas. Tu as la base, comme tu as dit, mais ta base peut vraiment changer. T'sais, si tu me dis à un gars qui décide qu'il se roule un 100 mg d'anadrol par jour pour X raison, ben là, laisse peut-être faire le zinc puis il prend quelque chose pour ton foie à place. T'sais. Fait que, il n'y a pas vraiment un 5 absolu. Je pense que c'est tout interchangeable un peu selon la personne. Tu as les bases nutritionnelles. Ouais. L'oméga 3, c'est un oméga 3. Personne ne va manger assez d'oméga 3. Non, Mag, vrai. Même affaire. Après ça, D, OK, on en a 3. Ouais. OK, après ça, le bodybuilder qui mange 6000 calories, une multi, là, ouais, pour vrai, t'es over dans toutes les calories, c'est sûr, toutes les multis, tous les macros sont tous over. Oui, t'as sûrement besoin de quelque chose pour son système digestif, par exemple, parce que ouais. 6000 calories, il faut te mettre quelque part. Fait que, tu sais, oui, c'est vrai qu'on rentre dans un, mais c'est toujours la base nutritionnelle, puis c'est pas vrai que ça va être superflu du magnésium. Non, c'est ça. T'sais, moi, un bodybuilder qui me dit, ouais, on va pas prendre ça, là, ben, va-t'en. Quoi? T'es juste épais, t'sais, sérieusement. T'as pas compris que c'est ça marche sur plein d'affaires. Tu sais, le gars va embarquer sur les Arimidex, mais donne-y du zinc, hey, ça arrête. Oui, c'est un anti-aromatase naturel, le zinc. Ouais, c'est ça. Tu sais, qui coûte 25 pièces. Tu sais. Monsieur Olympia 2020, vous avez qui? Félix, tu y reviens? Ouais. Ce serait fou. Je sais même pas qui est classé pour l'Olympia, donc je sais pas.
Philippe, sinon, ça va être entre Bonac et Curry encore. Là. Ouais. Je pense pas que Ramy va être assez bon pour. Je pense pas qu'il y a le profil qu'ils veulent, anyway, pour. Ils parlent même pas en anglais. Non, c'est ça. Tant qu'il soit plus intéressant que l'Olympia de l'année passée, ouais. Ça va être bon. Intermittent fasting dans le monde du bodybuilding, vous en pensez quoi? Pour longévité, oui. Pour perte de gras, peut-être. Gain de masse, non. Ça a sa place, dépendant c'est quoi ton objectif. J'essayerais pas ça, mettons. Mettons que c'est pas ma première affaire que je dirais, on va te mettre du intermittent fasting, mettre du muscle. Non, j'aime ça quand. Puis ça, c'est Meadows qui avait parlé de tout ça. Peut-être pas en premier, mais c'est de là que j'en avais entendu parler en premier. Quand t'es malade, par exemple, de pas bouffer de la journée, là, bizarrement, ton système. Tu vas peut-être pouvoir contredire ou rajouter, peu importe. Check un animal qui est malade, va arrêter de manger. Il mange pas, c'est ça, il arrête de manger parce que ton système immunitaire, on dirait, il se met à travailler beaucoup plus. Fait que, moi, honnêtement, je l'ai déjà essayé. Je pense pas qu'à une journée, tu perds du muscle anyway. Là. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, je pense que oui, mais pour le reste, c'est comme vous avez dit, là, ça, pour gagner du muscle, vraiment pas. Là. Un truc que je fais, j'ai certains athlètes qui mangent des nombres de calories atroces, là, comme des 6000, 7000, 8000. Là. 24 heures de fast une fois par semaine. Ils perdent pas de muscle. Clean le système, il revient, il a encore faim. Parce que. Mange 8000 calories, là, après 3 mois de manger ça, là, m'en est ton appétit. Tu es comme écœuré de manger. T'sais. Tu fais un fast de 24 heures, tes cellules, les régénèrent, ils font le clean-up, tu repars, tu as de l'appétit. Maudite bonne idée. Je pense que c'est après la seule manière intelligente de l'utiliser. Là. Pour vrai, là, c'est de faire ça avec les gars qui ont. OK, à un moment donné, là, ça n'a pas de sens. Là. Ton corps n'est pas roulant anabolique tout le temps. Là. Ça ne marche pas de même. Là. Mais je pense que c'est bien populaire parce que le monde, ils se disait ah, si je mange pas dans le début de la journée, on va pouvoir manger plus de scrap à la fin de la journée. Non, that's not the way to do it. Non, c'est ça, mais il y a ouais, beaucoup de monde. Les autres, ils justifient de même. Préparation en étant ses chiffres, jour, soir, nuit, police, ça vous détruit. La pire chose. Ouais. T'es mieux d'avoir un coach qui comprend. C'est un cycle circadien fucking même. C'est bien dommage, mais tu crées beaucoup de problèmes de santé, puis il n'y a pas de récupération de ça. You can't catch up sleep. Ça veut dire. Si tu as dormi 3 heures toute ta semaine, tu n'as pas d'affaire que oh, je vais dormir 48 heures ma fin de semaine, je vais me récupérer, ça ne marche pas. Tu l'as perdu. Meilleure chose à faire, trouve-toi un nouvel job. Il n'y a pas rien que tu peux faire pour récupérer ça. Sorry. J'étais à bien des séminaires sur le séminaire, puis c'est sur le sommeil, puis quand je levais ma main, puis je disais, moi j'avais une de mes blondes qui travaillait sur des chiffres, puis tout, puis journée à frette, la nuit est en soir, puis il me disait tout, tell her to find another job. C'est bien plate, mais tu sais, c'est encore du cas par cas. J'en ai un pompier que, tabarnak, ses résultats sont écœurants. Il travaille sur des chiffres. Fait qu'encore là, tout ça génétique pour bien récupérer. Mais il y en a certains qui ont des génotypes qu'ils peuvent fonctionner à 3-4 heures de sommeil. Ça existe. Il y en a. Mais tu sais. Majorité. Ben, tu vois quelqu'un comme Francis, tu sais, lui, il fait ça, Francis Allard. Mais tu sais, moi, ce qu'il me disait dernièrement, c'est justement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un flip de chiffres, ben, il a l'impression qu'il recule d'un pas. T'sais. Fait que c'est comme three steps en avant. Là, whoop, ça switch, je recule d'un pas. Tu sais, c'est automatiquement. Puis il prend tout le temps un mois ou 6 semaines avant sa compé. Ouais, ouais. T'sais, parce qu'il prend toutes ses vacances-là. Parce que... Moi, ça fout que ton coach ait une légère connaissance en ce qu'on appelle la chrononutrition. T'sais, s'il essaie de trouver sa même diète on de nuit que de jour, là, OK, change de coach. Pourquoi il. Parce que ça marche pas. Là. C'est pas de même que ça marche. Tu vas te rendre compte qu'à 2 heures du matin, manger du poulet, là, ça se peut que t'aies de la misère. Les points importants pour bâtir une routine de posing? Le faire souvent. Le pratiquer pour que ça devienne un automatisme, là, je te dirais. Pas que tu aies à réfléchir à ça. Je dirais aussi le choix de la toune. Il faut qu'elle t'inspire. C'est quelque chose que vraiment, que tu le feels. En tout cas, moi, personnellement, quand j'essaie de trouver là une chanson pour faire une routine, à un moment donné, je vais l'accrocher directement puis je le feel. Puis on dirait que je peux comme visualiser directement, ça va ressembler à quoi ma routine. Fait que c'est quelque chose qui va t'accrocher puis ça va paraître, tu vas être capable de transmettre ton énergie puis, plus sur scène. Là. C'est beaucoup de plaisir parce que du monde, c'est le posing, il y a du monde là, il catch comme ça puis il y a du monde tabarnouche, ils sont loin de la notion de poser. J'en donne beaucoup de cours de pause puis tu sais, prends-toi bien d'avance parce que tu veux pas attendre à la fin de ta prep quand tes calories sont super basses, t'es brûlé, de commencer à penser à ta routine, pis ci, pis ça. Fais les bains de bonheur dans ta prep. Essaie de le faire tout le temps si t'es pas bon à poser. Il y a du monde, tabarnouche, ils me prennent une séance de 20 minutes avec moi, puis son master poser, ils l'ont tout de suite. Il y a du monde, tabarnouche, ils n'ont aucune proprioception, ils sont pas capables de se situer dans l'espace.
Caroline, c'est ça. Fait que faut que tu travailles plus longtemps, mais practice makes perfect. Puis après ça, quand tu montes une routine, ben pas une tonne trop vite pour que tu aies 56 000 pauses à faire dans ta minute. Quelque chose de smooth. Parce que, tu sais, veux pas, là, tu fais un concours. Quand le concours est fini, il reste quoi? Des photos puis des mémoires. Mémoire, ça fade. Fait que moi, si tu as des photos, tu vas monter à tes petits-fils plus tard. Hey, regarde, papa, il a fait un. Whatever. Mais si tes routines, tu as fait 56 000 pauses, le photographe, il n'a jamais eu le temps de prendre une belle photo de toi. Fait que tu as toutes des photos en transition de pause. Quand il te reste juste ça, là, après, c'est plate. Fait que poser, oublie pas, les juges vont juger qu'est-ce qu'ils voient. Ils ne jugent pas le potentiel. Si tu as assez dommage de voir un gars en shape posé comme de la marde sur le stage, tu dis. Parce que ça y appartient, là. S'il n'a pas pratiqué, c'est qu'il n'a juste pas pris le temps de le faire. Puis il s'est dit, ah, oh, moi, dernière minute, la veille à l'hôtel, il s'est monté une petite affaire, puis il s'en est oublié la moitié. Écoute, c'est tellement plate de voir un coco de bodybuilding avec un gars après un gars après un gars après un gars qui pose mal. Ça donne une mauvaise image du bodybuilding. Puis aussi, ben mets-toi en valeur, man. T'as fait un an de prep pour 5 minutes sur stage. Arrange tout le temps que ton 5 minutes, tu parais bien, tu sais. C'est la moindre des choses. Toute la différence aussi, là, tu sais, tu peux tellement montrer ton physique d'une meilleure façon, juste là, si tu corriges quelques petits trucs sur ton posing. Tu sais, tu peux avoir la meilleure shape qui est sur le stage, mais si tu poses pas bien, tu gagneras pas, parce que tu le présentes pas comme faut. Des gars, tu vois, dans le gym, là, ils ont l'air des shapes écœurantes, puis arrivent sur le stage, puis ils posent, ben, Chris, c'est où? T'as des gars qui ont l'air de fuck all dans le gym, ils sont sur le stage, puis ils posent, oh, tabarnak, je savais pas qu'il y avait tout ça! Tout comment ils se présentent, c'est important le posing. T'es jugé là-dessus, veux pas, c'est de la vanité, le bodybuilding. Là, faut que tu sois beau sur stage, faut que le monde soit accroche. Puis quand t'es dans un line-up, ben, faut que les yeux veillent vers toi, puis pas le gars à côté de toi. Puis faire des poses qui t'avantagent, bonnes pour toi. Ouais. Tu sais, nous autres, on avait Serge Moreau qui nous corrigeait de poser, puis tu veux pas te faire corriger par Serge, là. Parce que, tu sais, lui, il a l'air de rien, puis quand il se met à poser, t'as l'impression qu'il pèse 75 livres de plus, là. Mais, tu sais, tu fais pas une pose d'Arnold si t'as pas de bras. Tu sais, à un moment donné, tu sais, si vous voyez des gars, hey, je veux faire ce pose-là, t'as pas de biceps. Non, tu sais, monte l'épaule le moins possible. C'est niaiseux, là, mais, tu sais, peut-être pratiquer devant le plus de monde possible. Tu sais, parce que si t'as jamais fait ça, ou que t'as fait ça devant ton miroir ou devant ton coach, puis that's it, puis que tu arrives sur le stage devant tout le monde, ça se peut que tu aies un mot de choc, puis que tu te mettes à stresser pas à peu près. Puis là, ben, ton posing va être à chier automatiquement, puis ta shape va peut-être devenir à chier bien vite aussi, parce que le stress sur une shape, quand tu es le jour de ta compé, ça change vraiment, vraiment vite le look. Fait que, tu sais, des fois, tu te mets. Fait que, tu te mets dans des positions où tu n'es pas à l'aise. Tu sais, c'est le même principe. Tu le sais un peu avec ta personnalité, parce que tout le monde a déjà fait une présentation orale à l'école. Fait que tu sais si toi, ça te stresse ou non d'être devant une foule. Bien, si tu sais que tu es quelqu'un que ça stresse, essaye de te rendre ça le plus facile possible, tu sais. Puis à la fin, n'oublie pas, sur le stage, tu n'as pas de miroir. Non, c'est ça. Tu as tout le temps presque un miroir où est-ce que tu peux te placer. Oh non, là, tu n'as plus le miroir. Tu n'as plus ton reference point. Fait que à la fin, là, pratique avec ton coach, mais pas de miroir. Moi, ce que j'aime dire au monde pour ça, des fois, c'est fais ta pause les yeux fermés, ouvre tes yeux, check dans le miroir si t'es correct. Si t'es pas correct, replace-toi, puis referme tes yeux, puis reste de même 5 secondes, tu sais, pour sentir, OK, c'est de même que je suis supposé de me sentir quand je suis droit. Puis ça se peut que t'aies l'impression que t'es de même, mais que t'es vraiment droite dans le fond, tu sais. Puis là, après ça, c'est peut-être des choses à corriger au niveau de ta posture, là, après. Tu sais, des choses de même, justement. Tu sais, tu veux justement que tout soit facile, puis que t'aies pas de surprise rendue sur le stage. Fait. Exactement. On se réveille d'un automatisme. Ça se place pareil comme tu ferais deux doigts dans le nez vers l'envers. Comment augmenter l'appétit off-season ou des trucs? MK677. Moi, personnellement, cardio à jeun, ça m'a aidé. Là. Ouais. Cardio à jeun aussi. Sinon, c'est niaiseux, là, mais mettre un peu de stevia sur ta bouffe. Tu sais, mettons, sur ton riz blanc ou des affaires d'âme, c'est sûr, tu peux mettre des sauces pour des affaires d'âme, mais là, tu sais, tu te rajoutes des calories. Fait que là, c'est de voir, est-ce que je veux me rajouter des calories qui sont pas nécessairement super intéressantes pour mon corps? Peut-être pas, mais de rajouter quelque chose qui te donne un goût sucré, ben généralement, ça va te faire produire de la salive un peu plus. Parce que souvent, c'est ça, tu sais, c'est que tu n'as pas d'appétit parce que tu prends ta bouchée puis ça te roule dans la bouche puis tu manges pendant 10 minutes, on dirait. Fait que, tu sais, de te rajouter un peu de goût sucré,
pour moi, c'est quelque chose qui marche. C'est niaiseux, mais avec Believe, des fois, ce que je fais, c'est la saveur, ça va sonner bizarre, là, mais la saveur d'ananas, je sac ça sur mon riz, sur mon poulet. Puis là, ben, ça devient un genre de poulet aux ananas, puis ça goûte bon. C'est niaiseux, mais c'est le système dopaminergique. C'est que là, ça goûte sucré, puis en même temps, c'est de la bouffe. Tu sais, il faut que ta bouffe goûte bon. Moi, ce qui me faisait mourir, là, c'est les gars. Ouais, mais c'est pas bon. Exactement. Pourquoi des lunchs ont tout l'air bon? Parce que je les prépare. Tu sais, je vais m'acheter des épices qui goûtent bon, puis j'achète des légumes que j'aime. Tu sais, je veux dire, c'est un peu niaiseux, là, manger du poulet fret avec des brocolis puis de la moutarde. Là, ça se peut que tu t'écœures. Je pense qu'un point aussi, c'est que, exemple, que tu as besoin de manger beaucoup pour prendre la masse musculaire, c'est ta job de manger. Tu as choisi de vouloir prendre la masse. C'est normal que ça soit dur. C'est ça, tu sais. J'écoutais un documentaire de Brian Shaw, puis lui disait qu'il était aussi primé que d'aller au gym quand il arrivait devant son repas, parce que, comme, OK, il faut que je le finisse, ouais, c'est ce repas. Combat, là, c'est ça, exact. T'sais. Fait que faut que tu te mettes dans ce mindset-là. C'était comme tout le temps, il disait, ouais, j'ai pas tout mangé, puis j'ai pas faim, mais fuck, c'est pour ça que tu prends pas de masse, à un moment donné. C'est ça. Scralose. Dangereux. Est-ce que c'est vraiment dangereux? Dangereux, je pense pas. Je pense, par exemple, qu'il y a du monde que ça va créer plus d'inflammation que d'autres. Ouais. Puis ça, rendu là, c'est de voir selon chaque personne. T'sais, autant, tu as du monde qui peuvent boire du Coke Diet tout le long de leur prep, que tu en as que si tu leur enlèves, ils flushent 4 livres d'inflammation d'un coup. Fait que, puis on va reparler de Francis. T'sais, lui, je sais que justement, tu sais, il s'en contrefou, il en met sur tout, mais c'est tout le temps un des gars les plus hip de la place. T'sais. Fait que, après ça, dangereux, t'sais, niveau santé, je pense pas vraiment. Frank, c'était des sachets, genre 8 sachets de Stevius, c'est blanc d'œuf le matin. Puis j'étais chez eux, puis là, il était là, ouais. Je vois, comme une semaine out, t'étais comme plus capable. C'est la quantité qui est problématique. T'sais, que le sucralose, t'sais, c'est sûr que si t'es rendu à prendre 12 sachets par jour de sucralose, OK, soit que ta diète, il y a un brachant problème, il y a quelque chose qui est vraiment pas bon dans ta diète, parce que t'es pas supposé prendre ça. C'est comme si tu prenais 12 cuillères à table de sucre. Okay, c'est pas normal. Dans des doses respectables, j'ai jamais vu quelqu'un vraiment super mal réagir à ça. Là, t'sais, on s'entend, là, avant, tu voyais bodybuilder traîner leur cruche de Crystal Light. Là. Sérieusement. Là, t'sais, on parlait de Greg tantôt, mais Greg fait ça toutes ses preps. Là. Il traîne des 4 litres de Crystal Light. Il est en shape. T'sais, oui, c'est peut-être pas l'idéal. Est-ce que ça va changer quelque chose sur ta shape? 95% du temps, je te dirais sûrement pas grand-chose. Je pense que j'avais un client à un moment donné que sa santé digestive a commencé à détériorer en fin de prep. Puis là, je dis, garde, assez donc, enlève ça. Là, tout se règle. Puis là, OK, bien pour lui, avec tout le stress de la prep, peut-être que là, ça détériore trop le système digestif. Il y a des recherches qui montrent que c'est vraiment pas hot pour ton microbiome. Fait que ça, c'est nouveau. Là. L'année passée, je pense, ça a sorti. Fait que chez certaines personnes qui ont un microbiome pas top shape, peut-être. Bien, surtout quand tu arrives à la fin, tu sais, qu'ils mangent plus de bouffe. Souvent, ils mangent plus beaucoup de carbs, ils coupent dans certains légumes, ils coupent dans certains. Fait que là, la diversité de l'intestin est déjà rendue moins haute, ils sont plus stressés. Fait que l'intestin est peut-être un peu plus perméable en plus. Là, tu vois, les autres. Puis souvent, ils augmentent le sucralose parce qu'ils ont le goût de manger de quoi de sucré. OK, là, t'as un méchant problème. Là. Ton déséquilibre, il est très présent. Parce que oui, puis les doses de ces études-là sont autour de 300 à 600 mg. Bon, on parle de 6 à 12 sachets. C'est parce que 6, ça se pogne bien. Là. C'est pas trop. Il y en a quand même bien plus que ça. Là. Oui, c'est ça. 2-3 coups de diète. Oui, c'est vrai que là, à la fin, oui, c'est plus trop stevia. Prends du stevia. Pogne-toi du stevia de l'extrait pur. Là. Selon moi, t'en mettras jamais l'équivalent d'une cuillère à thé dans la gêne. À preuve du contraire, so far, stevia, ça a l'air de passer bien. Jusqu'à la prochaine recherche, qui dit c'est pas bon. Mais à date, vous pouvez voir que stevia, là, c'est un lesser of. Lesser evil. Lesser evil. La dernière question, la question de 2019, qu'est-ce qu'on pense des SARMs? C'est des stéroïdes qui ont été marketés d'une manière intelligente pour passer comme étant moins dangereux, mais qu'actuellement, les études ne démontrent pas que c'est vraiment moins dangereux. C'est juste plus accessible. Je pense pas que c'est un meilleur produit. La science n'a pas l'air à trouver que c'est un meilleur produit. Les produits ont été développés, en fait, pour les cas de cachexie, de cancer sévère. C'est pour ça, pour les personnes âgées aussi, là, en tout cas, les cas de fracture, les cas pour ne pas utiliser des hormones, parce que certains des effets secondaires qui ne sont pas présents. Dans l'utilisation que le monde du bodybuilding en fait, je pense pas qu'il y ait un avantage notable du produit. Je vais juste dire ça. Si c'était en injection, personne n'en prendrait. C'est ça. C'est bon. Puis tu sais, tu prends pas ça non plus dans tes offs, là. T'sais, souvent, il y a des gars qui, genre, off-cycle, ils rentrent, « Ah, je fais du rad. » Ah, mais c'est parce qu'au cas, ça a sorti... Bon,
certains de nous ont été les séminaires avec Salim, puis Jeff Tremblay. Ça avait de l'air super anodin. Au début, là, c'était comme quasiment comme des stéroïdes, aucun effet secondaire. All right, cool, on est tout emballé, puis tout. Là, les filles commencent à prendre ça. Après ça, les filles rentrent au bureau. Ouais, le clito a grossi, puis un petit coup de vent sur le clito, je suis excité et tout. Genre, ton chum va être content, mais OK, c'est pas supposé de faire ça s'il n'y a aucun effet secondaire. Puis, écoute, il n'y a pas encore assez de recherche. Même à Swiss, l'année passée, on n'avait pas parlé, puis j'avais levé ma main, puis j'avais demandé à Dr. Darren Willoughby, parce que le séminaire, c'est « Everything you need to know about testosterone », puis lui, il dit « Non, non, ça ne fuck pas ton système endocrinien, tu peux, tu sais, really? » Fait qu'on l'a testé, je prends un de mes athlètes, OK, prends fuck all, fais tes prises de sang, embarque ses armes, prends tes prises de sang, arrête tes armes, il y en a un shutdown. Fait que c'est comme des anabolisants, peut-être moins pire. C'est banalisé vu que c'est légal aussi. Ben, c'est ça. Aux États, c'est plus légal qu'ici. Ici, c'est vraiment techniquement illégal. Si tu vas aller sur le site du Canada, c'est assez... Gros shutdown avec la Chine. Ça va changer drastiquement. Là. Mais je pense qu'aux États, là, c'est plus vendu. Ça se peut, je me trompe. Où il y a eu le petit wave, puis il n'en parle plus. Mais pas que le monde va se faire bosser pendant l'année. Good, fait que c'est où qu'on peut vous suivre chacun si on veut en apprendre plus sur vous autres? Ben moi je suis sur Instagram, Simon Baramba Ducharme IFBB Pro. Tu as un site web? Puis sinon j'ai mon site web aussi, simonducharme.com. Je suis sur Facebook. Sur Instagram, si vous écrivez Julien Geoffrion, ça va sortir. Sinon c'est A commercial Jujoff, fait que G-E-O-F-F. Sinon, je suis sur Facebook aussi. Non, mais vous pouvez me trouver sur Facebook et sur Instagram, Mathieu Bouchard ou Mathieu ND. Instagram, LarryV71, Facebook, mon site web est désuet, allez même pas le visiter, ça sert à rien. Puis je suis au Pro Gym durant la semaine, fait que je suis facile à rejoindre. Merci à tous d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes, liker sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne aussi, puis bonne semaine. Donc, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça, les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles. Ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site BelieveSupplement.com avec le code QUANTUM20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code QUANTUM15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.